Bon, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer notre conseil municipal. Tout d'abord, je vais faire l'appel. Alors, Edith Guignot présente, Jean-Marc Brigaud présent, Muriel Huchet présent. Super, Philippe Aripe, Roger Jacob, excusé, qui a donné son pouvoir à Anne-Marie Jury, Michel Courcial, Philippe Paco, Sylvie Goury, Jean-Claude Potier, Anne-Marie Jury, Robertus Schenkelaar, Alexis Meyer, excusé. Alors, Clotilde Mention, comme elle arrive en retard, mais elle a donné son pouvoir à Séverine Dajou. Jean-Louis Bajot, excusé, qui a donné son pouvoir à Nicolas Muriel. Séverine Dajou, Patrick Gonfier, Martine Boussuge, Bruno Charbonnier, excusé, qui a donné son pouvoir à Roby Schenkelaar. Magali Chevillard, qui a donné son pouvoir à Philippe Paco. Arnaud Lallemand, Véronique Ruiz, Muriel Nicolas, Lucille Ducrozet, excusé, Franck Charmansat, Martine Vacheron, Marcel Stagnot, Marie-Odile Guibou et Jackie Marion. Merci. Alors, je vais nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Donc, je vais vous proposer Arnaud Lallemand. Merci. Et donc, nous devons, comme à l'habitude, approuver le dernier procès-verbal sur le conseil municipal donc du 7 mars 2024. Y a-t-il des... D'accord, très bien. Alors, Marie-Odile Guibou. Oui, je voulais faire juste deux petites remarques. Au tout début, il y a comme quoi vous nous présentez vos vœux. Je crois qu'on les a eus au mois de janvier, on les a pas eus au mois de mars. C'était pas... Voilà. Et puis surtout, page 43, au point 25. Oui, les vœux, c'est en oui. Début d'année. Hein, donc. Voilà, on est d'accord. Voilà, je ne sais pas. Hein, moi, j'ai... En tout cas, je ne les ai pas entendus en mars. Je les avais entendus en janvier. On peut se les souhaiter toute voilà. L'année. Hein, tout mais à enfin, fait. Bon, c'est une façon originale de voilà. Rappeler les choses. Mais oui, bien sûr. Alors, voilà. Page 43, le point 25, dans la formation des élus. Oui. Il y a deux phrases, je pense qu'elles ne sont pas à leur place. Monsieur Stagnot dit qu'il regardait les parcelles et demande si cela ne concerne pas les feux. Madame la maire, si, c'est que au monsieur niveau des formations Marcel, il a rebondi pour la question d'avant, oui. Mais on était déjà passé à la question. Je m'en souviens bien parce que voilà, c'était... Voilà, on était passé à autre chose. À la chose, relecture, mais je trouvais... Voilà. Que, voilà. Oui, bon. Mais okay. J'ai eu le même... Mais je me suis souvenu que Marcel avait... Bon, voilà, avec un petit retard, mais voilà, c'était bien qu'il puisse s'exprimer sur le sujet. Voilà. Voilà. Marcel ? C'était ça, mais voilà, à la relecture, on était déjà passé à la question d'après. Voilà. Alors. Donc, je regarde... On va passer au... Alors, avant de passer aux décisions du maire, je vais vous demander l'autorisation d'ajouter un point complémentaire sur la subvention concernant le Salon du Livre Ancien qui va se dérouler ce week-end. On vous a fait passer la petite note de synthèse mardi, je crois, concernant le Salon du Livre Ancien, et c'était pour vous... m'autoriser à ce qu'on puisse le passer pour que la subvention soit votée à ce conseil municipal. Y a-t-il pas d'opposition sur le principe ? Ben, je vous remercie. Voilà. Donc au niveau des décisions du maire, il y a eu
une décision concernant un montant de la redevance pour occupation du domaine public routier et non routier par les réseaux d'ouvrages de télécommunications. Donc chaque année, effectivement, on a un montant qui nous est redonné. Et donc le montant de la redevance est de 11 409,55 €. Voilà, donc c'est une recette que la commune reçoit. Donc ça fait partie des décisions du maire. Demande une autre décision, c'est sur une demande de soutien financier au département de Saône-et-Loire sur le 80e anniversaire de la libération. Donc il y a eu un appel à projet sur, pour toutes les communes qui désiraient déposer des dossiers. Donc, alors pour certains qui participent à cette réunion, il y a une petite commission qui s'est faite et nous avons demandé une subvention concernant différents projets. On a mis en avant la possibilité de faire une cérémonie officielle. Bon, il y a des petits éléments comme des drapeaux, un concert, des ballons, une exposition. On a mis tout un détail sur le fonctionnement et sur l'investissement. Vous rappelez qu'on s'était dit que ce serait l'occasion de mettre en valeur le monument aux morts sur la place de la mairie, avec un éclairage, une mise en lumière, avec aussi différentes plaques qui pourraient être faites en dibon, en expliquant l'histoire de ce monument, et puis sur de la restauration des monuments. Donc on ne sait pas si on aura gain de cause par rapport au dossier que nous avons déposé. En tous les cas, on dépose un dossier. Le coût des dépenses totales serait de 86 930 €. Voilà, on espère avoir peut-être une subvention. Si on n'a pas la subvention, on ne fera pas les travaux prévus. Et puis, pour les membres qui composent la petite commission sur le sujet, il y a une réunion lundi 8 avril à 15 h pour ceux qui veulent bien noter. Ensuite, une autre décision. Je vous ai dit le coût de dépense de 86 930 € et il y aurait une subvention de 56 727 € du département et un coût pour la commune de 30 000 €. Donc on verra le résultat. Une troisième décision, l'attribution du marché de location avec prestation de maintenance des photocopieurs. Il fallait relancer un marché, le marché était relancé et c'est la société Élan qui a été retenue. Et pour un montant trimestriel de 2 989 € pour les locations et puis un coût à la photocopie qui est de 0,0028 €. Voilà, donc ça fait partie aussi d'une délibération, d'une décision du maire. Ensuite, une autre décision sur un contrat de location d'un logement type meublé Clos des Ormeaux, qui concerne, on ne donne pas le nom, mais c'est un montant de 340 €. Un deuxième meublé, au Clos des Ormeaux également, pour un montant de 200 €. Ça, c'est un loyer qui est pris en charge. Enfin, il y a une prise en charge par rapport aux violences intrafamiliales. Donc, effectivement, vous voyez que le loyer est moins important puisque la première personne qui loue, c'est quelqu'un qui vient en stage 6 mois et à Bourbon-Lancy. Et on lui a permis de louer ce meublé. Une autre décision, l'attribution d'une mission d'assistance pour la gestion des services eau et assainissement. Donc, effectivement, nous devons retravailler notre délégation de services publics. Et on a fait un appel à concurrence. C'est le cabinet Horizon Perspective qui a été retenu. Et c'est un montant de la prestation de 18 075 € hors taxes pour mener à bien cette mission d'assistance pour la gestion des services de l'eau et de l'assainissement.
Une autre décision, vous savez que l'année dernière, on avait mis à disposition un local, anciennement l'office du tourisme dans le quartier thermal. La société Miamax, c'est-à-dire Carrefour, a reconduit cette location, si je puis dire, mais c'est voilà, on met à disposition le local du 25 mars au 31 décembre et il y aura la facturation de tous les fluides comme l'année dernière où le coût des l'électricité de tous les fluides sont réglés à la commune. Donc c'est un partenariat qui est fait avec formalisé par le biais d'une convention. Et on est très heureux pour les thermes, mais aussi pour les curistes, pour les bourboniens, d'avoir cette petite épicerie de proximité qui est fortement appréciée. Et donc l'ouverture sera que le matin. Voilà un petit peu dans toutes les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Alors, on va passer à l'ordre du jour et je vais donner la parole à Michel Courcial qui va nous parler d'une convention. Merci. Oui, donc c'est la convention départementale entre la ville de Bourbon et l'association Azalée, antenne de Bourbon. Donc, il serait bien de conclure cette convention entre la ville par l'intermédiaire du centre social et l'association Azalée, qui veut dire Action de santé libérale en équipe, dont l'antenne de Bourbon compte deux infirmières au centre de santé départemental à l'hôpital d'Aligre. Azalée est une association entre médecins et infirmières qui sont au service des patients. Cette association joue un rôle dans la prévention, l'éducation thérapeutique et dans le contexte de désertification médicale, leur rôle est très important et converge vers celui du centre social qui lutte aussi contre l'isolement des personnes âgées pour le besoin des proches aidants et la précarité de certains publics qui se soignent de moins en moins, malheureusement. Donc, en 2023, les infirmières azalées sont intervenues dans le projet Jeunes, Aliments et Bien-être, pour une soirée sur le cyberharcèlement, et puis au mois de novembre, pour le mois sans tabac. Et donc, en 2024, il y a un projet sur la cuisine, nutrition, avec la MAP. Pour 6 familles. Donc, approuver cette convention permettrait un partenariat plus fort entre les deux structures. Merci d'autoriser Madame la maire à signer cette convention de partenariat. Merci à vous. Merci. Oui. Les conventions pourront être payantes. Oui. Voilà. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, on signe cette convention. On nous a pas donné le coût des prestations. Toutefois, on monte aussi des dossiers dans le cadre du centre social pour aller chercher des subventions pour permettre aussi de, si c'est payant, de pouvoir aussi avoir une enveloppe pour faire toutes ces actions de prévention. Au centre social et entre autres à la maison partagée, vous avez beaucoup de formations, d'informations, par exemple aussi lorsqu'on accueille les associations sur les maladies d'Alzheimer, Parkinson, il y a aussi un engagement. Alors, c'est les associations qui le font, mais il peut y avoir un coût, un dédommagement. Et aujourd'hui, on nous a pas donné une facturation propre, mais on veut passer cette convention pour permettre, alors on parlera tout à l'heure de la problématique médicale sur notre secteur, mais c'est aussi intéressant d'avoir tous ces problèmes, ces programmes, pardon, d'information, de prévention pour le public, alors que ce soit pour les jeunes comme ça a été fait l'année dernière, ou pour les personnes plus âgées ou les problématiques qui sont récurrentes au quotidien. En 2023, c'était à titre gratuit alors. Oui, mais voilà. Ça faisait partie de projets qui ont été portés par le centre social. D'accord. Où on a eu des subventions. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie.
Alors, un deuxième point, l'acquisition de la parcelle AR85, rue de la Petite Murette, donc qui fait partie de l'indivision Pusnat-Germain. Donc, on va vous le, voilà, vous la présenter. Vous avez le plan d'eau, vous avez effectivement toute la partie parc, si je puis dire, parc de Roger Luquet. Et ce terrain, effectivement, appartient à l'indivision Pusnat et nous intéressait tout particulièrement. On avait été sollicité hein, par M. Pusnat, qui était venu en plusieurs fois. Et ce terrain est très, très intéressant pour agrandir l'espace autour du plan d'eau. De plus, on a quand même des projets, comme dans le cadre du pump track. On avait quand même de la difficulté à dire on va le mettre au plein milieu de la pelouse. Et là, ça nous permettra de développer une aire de loisirs plus grande. Alors, ça se fera au fil du temps. Et ma sollicitation auprès de l'indivision Pusnat-Germain, c'était de dire... est-ce qu'on peut étaler l'achat sur ou le paiement sur deux exercices, puisque malgré tout c'est un terrain qui est à 5 euros le mètre carré, mais c'est 24 528 mètres carrés. Donc au vu de nos budgets, on a regardé s'il y avait une possibilité de le lisser sur deux années. Donc la famille était tout à fait d'accord. Et donc on vous propose d'investir dans du terrain qui permettra aussi de donner plus d'importance au parc autour du plan d'eau, parce qu'on a quand même pas mal d'activités et on peut imaginer développer encore plus d'activités autour du plan d'eau. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Charmansat. Oui, je vois qu'on parle d'un pompe track. Oui. Alors, je me suis renseigné pour savoir ce que c'est. Bon, est-ce que ce n'est pas quand même une activité accidentogène? Alors, on... Et à l'heure où on manque de soins et de médecins à Bourbon, est-ce qu'il faut créer des activités accidentogènes? Alors, je pense que on avait présenté ce projet... Et je donnerai la parole à Muriel Huchet parce que c'était aussi, et à Philippe Paco, c'était un projet pour aussi apprendre à faire du vélo. C'était un projet plutôt à titre éducatif pour permettre d'être dans les situations avec des montées, des descentes. Alors, je ne suis pas une technicienne en pump track, hein, je le dis bien, mais on avait évoqué vraiment ce projet. Sur le fait que ça pouvait être très, très intéressant aujourd'hui pour les écoles, pour aussi les associations sportives qui voyaient ça d'un bon œil. Effectivement, c'est comment on appréhende aujourd'hui à faire du vélo sur une piste qui est... Je n'ai pas la topographie, on n'a pas le plan hein, du pump track, on ne l'a pas amené, mais on l'avait vu hein, en commission et on l'avait vu à un conseil municipal. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'au prochain conseil, on puisse vous montrer. Alors, c'est une esquisse. Hein, on a aussi été chercher des subventions sur le sujet, parce que sans subvention... ce serait un compliqué aujourd'hui, mais c'était aussi dans une visée pédagogique. Muriel. Oui, je vais simplement dire qu'au niveau de l'éducation nationale, les enseignants doivent mettre en œuvre le savoir rouler à vélo. Donc jusqu'en sixième, ce sont des missions que les enseignants ont maintenant. Voilà, alors je suis d'accord sur le fait que peut-être on pourrait penser que c'est pas forcément une mission première, mais notre ministère nous demande de le mettre en place, donc on est obligé de délivrer à la fin un certificat du savoir rouler à vélo. Voilà, donc cette aire permettrait aux écoles de faire un cycle savoir rouler à vélo à différents niveaux de la scolarité. Oui, vous, vous,
Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, mais je comprends bien les buts de cette piste-là. Mais moi, il me semble que c'est quand même dangereux pour les enfants. Et on peut apprendre à faire du vélo sans mettre nos enfants en danger. Alors, bon, c'est dommage que je... Enfin, faut qu'on vous le présente, mais c'est pas quelque chose accidentogène. Toutefois, je rappelle, alors on avait fait dans le cadre de la commission, on était allé sur place, et je sais plus si c'était Marcel qui était là ou Madame Guibou, puisque oui, voilà, en mairie où on a présenté le projet et on est allé sur place. Alors, ben, je sais pas, peut-être qu'il y avait. Mais je... Oui, oui. Mais bon, on n'avait pas d'idée. Enfin, on n'avait pas d'idée. On savait bien que ça allait être autour du plan d'eau. Moi, ce qui me gênait, c'était de le mettre trop proche. Alors là, ça nous donne un peu plus de latitude pour le mettre dans le terrain que nous allons acheter. Voilà. Après, je vais donner la parole à Philippe Paco, puisqu'il est aussi au fait de ce dossier. Ça peut paraître effectivement un peu accidentogène, mais ce n'est pas plus accidentogène qu'un skatepark. Ou qu'autre chose comme ça. C'est vraiment normalement pour une initiation. On ne parle pas d'un parcours BMX. Donc si c'est fait dans les règles de faire du vélo pour faire du vélo, ça ne devrait pas être plus dangereux qu'autre chose. Quoi. Voilà. Ensuite, il va être mis sur une partie plate. Hein. C'est pas, voilà, parce que je pense que, M. Charmansa, vous avez vu, vous pouvez penser à des parcours que nous, on a vus aussi. C'est vraiment avec des descentes, mais je sais même pas comment ça s'appelle. C'est plus du parcours BMX, mais oui, parcours BMX. Le pump track, effectivement, il y a des vagues, c'est pour apprendre à monter, descendre, voilà. L'équilibre et tout. Monsieur Charmansa, on a trouvé. C'est très plat, quoi. Enfin, mais c'est vallonné, et c'est quand même aussi pour permettre l'équilibre. Alors c'est de l'apprentissage à vélo. Voilà, si ça vous donne une idée de... Madame le maire, je vous invite à faire un petit tour de vélo avec moi sur cette piste-là, et comme ça le débat sera tranché. Alors, voilà. Chiche. Merci. Chiche, oui. On ira au tas, parce que je me veux bien. Mais alors, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, puisqu'on incite fortement à se déplacer en vélo, malgré tout, je pense que c'est important. Nous, aujourd'hui, on a des personnels qui viennent à vélo et il y a eu deux accidents dus à vélo sous la pluie. On a deux accidents dans nos salariés en vélo. Et là, ça fait assez récemment. Donc, ça veut dire aussi que même si on pense savoir faire du vélo, peut-être qu'il y a des... c'est comme le permis, hein. Peut-être qu'il faudrait se faire une formation pour... Mais je vous prends au mot, hein, Monsieur Charmansa. Ah non, 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 pas... Ah non. Moi, j'ai besoin d'être indépendante. Hein. Alors, Michel Courcier, elle propose un tandem. Pas tout de suite, quand même. Bon, voilà. Oui. Je croyais qu'en... d'un circuit vers l'ancien tennis. Non, ah oui, non, mais alors là, non. Ancien tennis, c'est tout petit. Oui. Et alors ça peut être effectivement faire une petite... Alors ça, c'est pour les tout petits qui vont commencer d'accord. À faire... voilà, on avait dit... Oui, tout à fait. On avait dit qu'on refaisait le... On fait un circuit initiation avec style des panneaux stop, des carrefours, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment pour les enfants, le premier apprentissage, oui. Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Sylvie Goury qui va nous parler des zones d'accélération des énergies renouvelables. Voilà. Alors, la loi APER, qui est l'accélération pour la production d'énergie renouvelable, a été votée le 10 mars 2023. Et demande aux communes donc de prédéfinir des zones de développement de ces énergies renouvelables, qui sont donc appelées des ZAER, c'est-à-dire des zones a priori favorables à l'implantation d'une installation de production d'énergie renouvelable.
Alors, ça peut être du photovoltaïque, solaire thermique, biogaz, géothermie ou éolien. Ces zones peuvent être donc pertinentes pour y envisager donc des projets d'énergie renouvelable. Cependant, ces projets ne seront pas forcément et automatiquement autorisés. Pour notre commune, l'intérêt de ces ZAER est de pouvoir identifier les projets qu'elle souhaite voir sur son territoire, que ce soit de type foncier public ou privé. Ça donne également un signal clair pour les porteurs de projets. Pour ce faire, la loi APER nous a demandé deux moyens de concertation du public. Une première concertation a été faite à la base d'un questionnaire dans notre magazine municipal de janvier de cette année. 38 questionnaires ont été recueillis avec les résultats qui vous ont été donnés dans les annexes qui ont été jointes à ce conseil municipal, l'annexe 2.1, je crois, dans le bilan. Et ensuite, il y a eu une concertation du public par un dossier présentant les zones prédéfinies par notre commune. C'est l'annexe 2. Cette concertation s'est déroulée du 21 février au 6 mars avec mise à disposition d'un registre de concertation. Aucun avis n'a été déposé sur ce registre. Aucune observation n'a été formulée sur ce registre. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider l'identification des zones de ces ZAER telles que présentées en annexe 2 et d'autoriser Madame la maire à notifier la présente délibération. Peut-être dire que effectivement on a regardé les zones sur les ombrières, sur les bâtiments. Municipaux, mais aussi les bâtiments industriels. Il nous était quand même difficile de définir des zones autour du centre-ville, parce qu'on sait aussi qu'on a les exploitations agricoles, nos agriculteurs ont aussi des projets. On a notre parc photovoltaïque qui, j'espère, verra le jour peut-être rapidement, puisque là il y a encore une étude qui vient de sortir où on aurait trouvé une zone humide et qu'il faudrait retrouver un espace de compensation. C'est quand même difficile aujourd'hui, les dossiers, ça fait plus de 4 ans. Normalement les travaux commencent à la fin de l'année, mais on a aussi cette carte sur ce projet photovoltaïque. Il y a aussi les entreprises qui jouent le jeu également. Donc, à un moment donné, on a mis tous nos espaces et des entreprises qui pourraient accueillir du photovoltaïque, soit en ombrière parking, soit sur leur bâtiment. Voilà. Après, on n'a pas défini des zones où il y aurait de l'éolien ou des zones où il y aurait des parcs photovoltaïques. C'est une première... mouture, et puis ça va convenir forcément aux services de l'État, puisqu'ils étaient dans l'attente pour que chaque commune puisse se positionner sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Marcel. Alors, moi, ma position sur le sujet, en tant que maire, mais peut-être pas au niveau de tous mes élus, mais c'était de dire le photovoltaïque sur des friches. Moi, je trouve ça très intéressant. De l'éolien, je pense, par rapport à nos paysages, je ne suis pas du tout pour l'éolien, mais je le dis, je l'assume. Après, je trouve qu'aujourd'hui, et on a posé la question au niveau de la communauté de communes, il y a beaucoup, beaucoup d'énergies renouvelables qui sont faites. Et aux dernières informations que j'ai eues au niveau de la communauté de communes, on serait dans les critères de 2050. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut... Il faut être raisonnable là-dessus. On fait des efforts, bien évidemment, où on pourra avoir du photovoltaïque, où on pourra avoir le réseau de chaleur, enfin tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Bon, on va jouer cette carte. Mais ensuite, il y a aussi l'agrivoltaïsme, qui est un sujet par rapport à l'agriculture, où la chambre d'agriculture ne s'est pas positionnée.
Mais ça peut être aussi une réponse pour avoir conforté le revenu des agriculteurs. Là aussi, hein, il y a des projets et on n'a pas. Enfin voilà, moi je suis pas, je le dis, je ne suis pas pour l'éolien. Voilà. C'est-à-dire, ben, nous on l'a mis parce qu'à un moment donné, après effectivement, on a des bâtiments où on aimerait pouvoir en mettre, sauf qu'on peut pas en mettre parce que les toitures ne peuvent pas recevoir le photovoltaïque, elles ont pas la structure suffisante, donc il faudra à chaque fois faire une étude. Mais c'est des possibilités. Alors ça peut être une possibilité, je sais pas, dans 10 ans, 15 ans, voilà, c'est pour acter des possibilités, mais ça n'engage en rien aujourd'hui. Oui, alors oui, la problématique, c'est que si on ne se positionnait pas du tout, l'État pouvait autoritairement nous imposer telle zone pour faire telle ou telle énergie. Ouais. Mais bon, après, on reste, enfin, maître, non. Le problème, c'est qu'on va sur les entreprises privées. Chacun, il y a des possibilités, mais chacun verra et fera ce qu'il entendra, parce que ça dépend aussi. Je dois dire, même si on doit faire beaucoup d'efforts, que ce soit les citoyens ou les collectivités, à un moment donné, l'État aussi, à un moment donné, il y avait des aides. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, s'il y a une incitation à développer des énergies renouvelables, peut-être que ça va se développer un peu plus. On voit bien dans les particuliers, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de demandes de particuliers sur des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, les particuliers aussi jouent le jeu. Et j'aimerais bien qu'on additionne tout ce qu'il y a sur le territoire de la communauté de communes, puisque c'est à l'échelle aussi de la communauté de communes. Et je pense qu'on est très bien placé. En plus, il y a le parc photovoltaïque à Chalmoux, quand même, qui est énorme. Donc, et il y a des projets dans les communes aussi qui sont importants. Sur Guignon, il doit y avoir des projets sur des étangs. Enfin, voilà. Oui. Ça peut évoluer. Oui, oui, bien sûr. C'est un, enfin, la première. On rend notre copie un peu parce que, enfin, on en avait parlé. C'est fin novembre, on nous a demandé de rendre notre copie en fin décembre, enfin, tout en questionnant la population, tout en... Bon, à un moment donné, c'était pas possible, hein, on peut pas... On a fait quand même cette consultation, on a interrogé notre population, on a mis effectivement ce livre blanc là pour mettre... Personne n'est vraiment venu, mais c'était important de prendre le temps pour expliquer... Et proposer aux gens de se positionner. Mais il y a quand même un paramètre extrêmement important. Moi, aujourd'hui, c'est l'agrivoltaïsme. Je ne sais plus à quelle réunion j'étais, mais peut-être qu'il y en avait d'entre vous. Aujourd'hui, ils sont en capacité de faire des parcs photovoltaïques pour accueillir les bovins et de moduler effectivement selon dans la journée voilà le comment ça s'appelle ces panneaux et voilà, donc il y a une évolution assez forte et de les régler de façon numérique, donc il y a beaucoup de choses qui vont peut-être évoluer encore plus. Mais on peut toujours poser la question, hein. Sauf que si tu veux, il faut aujourd'hui qu'on trouve, il faut avoir une question aussi de rentabilité, combien ça coûte, qu'est-ce que ça va... Enfin, il faut qu'il y ait cette analyse financière aussi. Hein. Non, il est déjà que c'est déjà compliqué. Mais je pense qu'on va se voir bientôt. Et c'était aussi l'objectif par rapport à l'ABF. Alors, sur les ormeaux, ça n'a aucune importance. Mais voir si la toiture est acceptée, pas acceptée, enfin, il y a aussi des paramètres à voir.
Mais c'est jamais trop tard. Hein. Ça peut être aussi fait dans une seconde phase, parce que les travaux sont encore pas commencés. Hein, donc, je pense qu'il y a encore. Mais on a une réunion prochainement, je crois, non hein, c'est, oui. Donc, on en parlera. Voilà. Un autre petit point, vous avez montré votre réticence, voire votre hostilité contre l'éolien. Je demande à Mme Courciel, au passage, de noter que je suis de votre avis, mais est-ce que le conseil municipal ne pourrait pas prendre une résolution précisant qu'on s'oppose fermement à l'éolien ? Ah ben moi, ça me parce ça que c'est quelque chose d'important, me semble-t'il. Moi, je ne prendrais... Parce que, si vous voulez, on a été contactés énormément avec des sociétés sur l'éolien. Moi, je ne les ai pas reçus et je leur ai dit que j'étais opposée à l'éolien. Bon, ça, c'est clair. Et l'objectif de ces sociétés, c'est de venir vous voir, d'avoir la validation du conseil municipal pour pouvoir, après, avancer dans les projets. Moi, ça ne me pose aucun souci de prendre une résolution. Voilà, mais il faut aussi que tous les élus partagent. Parce qu'il faut qu'on soit plutôt en majorité sur ce sujet. Mais moi, ça ne me pose aucun souci de prendre une résolution là-dessus. Ça marche. Oui, j'ai un exemple du côté de ma famille dans l'Yonne. Effectivement, le conseil municipal s'est opposé, mais il s'installe dans le privé. Donc après, vous ne pouvez plus rien faire. Quoi. Oui. Vous vous trouvez quand même avec une éolienne à côté de chez vous. Quoi. Mais ça veut dire que quand même... et puis, on a peut-être un peu de chance sur notre territoire, puisqu'on n'est quand même pas loin du parc du Morvan. Et aujourd'hui, on sait que le parc du Morvan nous protège. Enfin, il faut qu'on revoie les choses, mais nous protège quand même assez de l'éolien. Mais moi, si vous en êtes d'accord, on vous propose quelque chose au prochain conseil municipal. Et puis, voilà, c'est un engagement aussi, puisqu'on propose d'autres choses à côté. Hein. Voilà. Voilà, bah, écoutez, pas de souci. Alors, on va arriver sur le point dur. On n'a pas fait voter. Donc, y a-t-il des oppositions par rapport à cette zone pour les énergies renouvelables ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-Marc Bricot, qui va nous parler du budget. Oui. Voilà. Donc, on vous présente les budgets donc 2024. Donc on va faire comme d'habitude, hein, je vais vous analyser un petit peu les budgets qui ont été préparés et puis les votes se feront après. Hein, donc, et puis si vous avez des questions au fur et à mesure ou des explications, vous pouvez les demander. D'accord. Alors déjà sur la caractéristique générale des budgets de 2024. Il faut vous dire que ces budgets-là ont été effectivement établis en fonction du débat d'orientation budgétaire qui avait été présenté au précédent Conseil. Hein, et il a été repris effectivement les grandes orientations qui avaient été exposées ce jour-là. Nous avons eu simplement quelques confirmations et précisions concernant certaines recettes que nous n'avions pas effectivement au moment du vote du DOB, que nous avons intégrées bien évidemment dans le budget. Alors, au niveau des caractéristiques, j'allais dire juridiques et comptables, donc ces budgets, c'est la première année que ces budgets sont préparés en fonction de la nouvelle instruction comptable, hein, M57, hein, dont on a déjà souvent parlé. Pour le budget général et le budget loyer, puisque pour les autres budgets eau et assainissement, on est toujours sur les anciennes nomenclatures qui existaient. Bon, alors, cette nouvelle nomenclature M57, elle ne révolutionne pas, en fin de compte, les normes comptables. Hein. Il faut simplement toujours présenter des comptes réguliers, sincères, équilibrés, bien évidemment, et puis donner une image fidèle du patrimoine. La seule chose qu'on peut dire par rapport à la norme précédente, c'est qu'il y a quand même une convergence des normes comptables publiques et privées. Ça, on le voit très bien, en particulier pour les amortissements, alors qu'avant, les normes publiques étaient effectivement quand même très différentes des normes privées. Et il y a une convergence voulue par cette nouvelle nomenclature.
il y aura une simplification des documents, puisqu'on vous présente tous les ans les comptes de gestion et les comptes administratifs, et ces deux documents seront remplacés par le compte financier unique, mais qui ne sera pas obligatoire encore en 2024, qu'il ne le deviendra qu'en 2026. Voilà, okay. Ensuite, il y a élément important, puisqu'on va en parler dans l'analyse des budgets, il y a la suppression des dépenses imprévues. On avait le droit de prévoir avec la M14 ce qu'on appelait les dépenses imprévues. Et comme son nom l'indique, c'était pour faire face à des dépenses qui n'avaient pas été prévues. Et ça permettait effectivement de les inscrire de façon nominative dans les budgets. Cette fois-ci, les dépenses imprévues ont été supprimées. Donc c'est une des grosses modifications par rapport à la M14. Et par contre, il y a une nouvelle notion qui intervient, c'est la fongibilité des crédits. Alors, ça revient en fin de compte à remplacer les dépenses imprévues en des crédits de paiement. Mais par contre, cette fongibilité des crédits, il faut l'inscrire dans des comptes. Voilà. Donc, avant, il y avait une ligne particulière dépenses imprévues. Vous n'aurez plus dépenses imprévues sur les comptes officiels là, que vous avez reçus. Je ne sais pas si vous avez regardé parce que ça fait un beau pavé. Vous aurez effectivement ces sommes, je vous dirai dans quel compte elles se trouvent. Cette fongibilité des crédits, on doit l'intégrer dans n'importe quel compte, si je puis dire. Voilà. Par contre, c'est limité toujours avec la même limite, 750% des dépenses réelles de fonctionnement. Voilà pour c'est la caractéristique essentielle juridique, j'allais dire, et comptable. Ensuite, pour brosser rapidement un avant-goût du budget, bon, je ne vais pas être très original en disant que les budgets sont difficiles à arrêter, comme dans toutes les collectivités, hein, si j'en crois les échanges que l'on peut avoir ou les comptes rendus que l'on peut trouver dans les journaux. Pourquoi ? Parce que, en particulier pour les collectivités communes, on n'a pas de dynamique de croissance des recettes. Pourquoi ? Parce que il nous reste plus qu'au niveau des impôts, les impôts fonciers, enfin taxes d'habitation, mais sur résidence secondaire, c'est quand même très limité à Bourg-en-Lancy, nous ne sommes pas sur la côte. Donc il ne reste que les impôts fonciers. À partir du moment où vous n'augmentez pas les taux et que la population n'augmente pas de façon significative, eh bien, il n'y a pas de variation significative, hormis l'augmentation des valeurs locatives. Voilà. Les dotations, non seulement elles n'augmentent pas, mais elles ont baissé régulièrement depuis 2014. Donc, il n'y a pas, j'allais dire, de dynamisme des recettes que l'on peut avoir, par exemple, dans les communautés de communes, les communautés de communes étant, elles, réceptrices des impôts entreprises. Et il faut bien reconnaître que si il y a une activité économique qui est dynamique sur le secteur, eh bien, effectivement, il y a une dynamique au niveau des recettes fiscales des entreprises. Mais celles-ci, ces recettes fiscales, elles sont encaissées par la communauté de communes. Donc, ce n'est plus les communes qui encaissent ce genre d'impôts. Voilà. Ensuite, sur les dépenses, malheureusement, on n'est pas dans le même schéma, puisque les dépenses, il y a une dynamique des dépenses, hein, ne serait-ce que par l'inflation, hein, au niveau des charges générales, et puis ne serait-ce que par l'augmentation, j'allais dire, automatique des dépenses de personnel à effectif constant. Donc, on a obligatoirement une dynamique de dépenses, alors qu'on n'a pas une dynamique de recettes en face. Voilà, donc, obligatoirement, les collectivités, effectivement, constatent à chaque budget. On a ce qu'on appelle l'effet ciseau, hein, avec une stagnation, voire une diminution de la courbe des recettes et puis une augmentation de la courbe des dépenses. Voilà. Alors, on ne va quand même pas être pessimiste, hein, en commençant. Malgré ces réflexions générales, si je puis dire, hein, on vous propose, comme il avait été dit lors du débat d'orientation budgétaire, un maintien des taux d'imposition, c'est-à-dire pas de hausse des taux d'imposition. Voilà. Un maintien, parce que bon, la question peut se poser, hein, un maintien des services à la population, hein, et des politiques publiques, puisque c'est vrai que une des possibilités pour réduire les dépenses, c'est de réduire les services à la population, ce qui n'est pas a priori quand même la meilleure des solutions, surtout en ce moment, avec les difficultés quand même que nos concitoyens peuvent rencontrer dans la vie journalière. Voilà. Et puis il y a quand même une poursuite de la politique d'investissement, puisqu'on en a parlé l'autre jour aussi,
Alors, il faut bien sûr, il faut prioriser. Hein. On ne peut pas tout faire. Voilà. Il faut prioriser les besoins. Hein. Alors, c'est vrai que pour 2024, eh bien, on a toujours ces rénovations énergétiques qui sont d'actualité. On a le développement des voies douces. Et puis, le projet phare, on en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire également, c'est donc la requalification du quartier thermal pour accueillir les curistes dans de meilleures conditions et pour effectivement renforcer l'attrait de la station. Voilà. Donc les investissements programmés en 2024, Mme Guignot vous les dira en détail tout à l'heure, c'est 3 200 000 euros. Voilà. Vous avez, sachant qu'il y a 2 500 000 euros de reste à réaliser, donc c'est des investissements qui avaient été votés l'an dernier, mais qui se terminent sur l'année 2024. Et dans ces 2 500, j'arrondis, hein, il y a 1 500 000 qui concerne le casque, hein, la rénovation du nouveau bâtiment. Donc on a un total d'investissement entre les restes à réaliser et les investissements programmés nouveaux de 5 700 000. Voilà. Alors, comment sont financés ces... Un élément important quand même que je signale tout de suite, pour le financement des investissements, ben, il y a trois sources de financement. Il y a l'autofinancement, il y a l'emprunt bancaire, et puis il y a surtout la perception de subvention, puisque c'est l'élément très important, puisque autant l'État, effectivement, a coupé un petit peu les robinets en dotation, j'allais dire, de fonctionnement pour les collectivités, autant pour l'instant, même si ça se raréfie, il y a encore des possibilités de subvention pour les investissements qui sont ciblés, sachant que l'État privilégie bien évidemment les investissements qui sont dans le cadre des énergies renouvelables, hein, et puis tout ce qui est économie d'énergie, développement voie douce. Donc ce sont tous des dossiers effectivement qui sont plutôt ciblés dans le cadre des dotations versées par l'État, puisqu'il y a, entre autres un fonds vert qui a été effectivement augmenté au niveau de l'État à destination des collectivités. Voilà. Donc il faut aller chercher des subventions et je donne la précision, tous les nouveaux investissements qui ont été budgétés pour 2024, c'est-à-dire 3,2 millions, d'accord, il n'y a aucune subvention. Je ne dis pas qu'il n'y aura aucune subvention. Il n'y a aucune subvention de budgétée. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour le quartier thermal, qui fait quasiment la moitié des 3,2 millions, enfin à peu près 1,3 million, hein, si j'ai besoin de mémoire. Voilà. Donc, les subventions sont en cours de recherche, mais il n'y a pas de notification officielle. Donc, rien n'a été pris au niveau des subventions pour les investissements programmés en 2024, ce qui est important quand même. Parce que pour l'instant, pour présenter les budgets, il faut quand même équilibrer. Donc, on a équilibré par l'autofinancement, puisqu'il y a quand même des excédents de fonctionnement antérieur qui sont confortables, entre guillemets, puisqu'il y a presque 3 millions. Et puis, pour un recours à l'emprunt. Mais il est bien évident que les subventions, il y en aura. C'est clair, c'est évident. Donc, quand on aura ces subventions, on fera des DM, et puis on réduira d'autant soit l'autofinancement, soit le crédit bancaire. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait, parce que la subvention, on ne peut la prendre que quand elle est notifiée de façon officielle. Voilà. Donc c'est une précision, je pense, importante, parce que sur les 3,2 millions, si vous avez simplement 30% de subvention sur le montant global, c'est 1 million d'euros, quoi. Voilà. Donc ça change un peu la physionomie des comptes. Voilà, pour ces réflexions un petit peu générales sur le budget qui va vous être présenté. Je vous rappelle que si vous faites des comparaisons avec l'exercice 2023, je vous avais dit, quand on a approuvé les comptes de l'exercice 2023, que c'était une année tout à fait exceptionnelle. Enfin, que je considérais, moi, personnellement, exceptionnelle. D'accord ? Parce que les résultats étaient très supérieurs à ce qu'on avait prévu, puisqu'on avait prévu 200 et quelques mille euros de résultats, et à peine même. Et nous sommes à 1 million d'euros. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, vous avez pu voir, si vous avez regardé les tableaux, et on va les voir là maintenant, c'est que les charges de 2023 avaient été très inférieures aux charges budgétées, et on avait une petite dynamique des recettes et des subventions au niveau des organismes sociaux, la CAF en particulier, la MSA, qui avait été effectivement supérieure au budget proposé. Voilà, donc c'était exceptionnel, et j'estime que ce n'est pas une année référence. Voilà. Donc 2024, effectivement, on propose pour l'instant des résultats inférieurs, en sachant qu'on a toujours été dans une démarche de prudence au niveau du budget. Et il est préférable d'avoir des résultats, des surprises agréables que des surprises désagréables. Donc, pour cela, il faut être prudent. Écoutez, je vous descends. Oui, il n'y a pas de modification. Je ne vais pas vous faire des commentaires, excessifs. Hein.
Je vais vous rappeler ce que c'est quand même les différents comptes. Donc les recettes, hein, donc vous avez les différentes années avec le budget de 2023 qui est rappelé, le réel réalisé, donc qu'on a approuvé au dernier conseil municipal, et le budget 2024. Voilà. Rapidement, remboursement des salaires. Ce sont effectivement les remboursements de salaires pour les agents qui sont absents pour maladie, et donc quand il y a un salaire qui est pris en charge. Plus les décharges pour les activités syndicales. Voilà. Donc on a prévu moins, mais c'est difficile de prévoir. On est toujours prudent aussi à ce niveau-là, puisqu'on ne connaît jamais les absences. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y en ait le moins possible. Voilà. Ensuite, la mise à disposition du budget annexe, du personnel à des budgets annexes, c'est du personnel qui est rémunéré dans ce budget général et qui est mis à disposition des budgets annexes qui sont le CCAS, enfin c'est même pas un budget annexe, il y a le CCAS, hein, puisque c'est un organisme qui est indépendant, le CCAS, puisque la personne est rémunérée par le budget de la ville. Il y a une mise à disposition d'une personne qui est à l'assainissement, qui est à la station d'épuration, et puis il y a une facturation aussi qui est faite au budget de la chaufferie bois, puisque nous avons un agent qui contrôle effectivement la chaufferie bois. Voilà. Ensuite, mise à disposition personnel aux communautés de communes. Alors ça, c'est l'élément important. C'est donc les personnels qui sont mis à disposition de la communauté de communes pour deux activités essentielles, enfin deux secteurs essentiels qui avaient fait l'objet d'un transfert de compétences, la LSH, voilà, et les piscines. Enfin, la piscine, pardon, pour Bourbon-Lancy. Voilà, donc les agents étant restés agents de la collectivité de Bourbon-Lancy, donc il y a une facturation qui est faite à la communauté de communes, donc 168, 156, donc ça devrait rester stable là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, tout ce qui est prestations. Alors, prestations, c'est toutes les prestations de cantine, du centre d'hébergement, bien sûr, les gîtes, hein, des centres de loisirs, des spectacles, les services qui sont proposés à la population et qui font l'objet d'un encaissement. En sachant que la cantine, il y a toujours le système de la cantine à 1 euro. Voilà, donc ici, c'est uniquement l'euro qui est symbolique, qui est comptabilisé ici, en fonction, multiplié par le nombre de repas, puisqu'il y a une compensation qui est faite par l'État, mais celle-ci, elle se trouve dans les subventions. Voilà, donc on a prévu, on a prévu les mêmes sommes, un petit peu plus, 255. On a prévu un peu plus, pourquoi? Parce que dedans, dans cette rubrique, sont comptabilisées les recettes des pièces de théâtre, enfin de la saison culturelle, mais le nombre de spectacles saison culturelle est globalement identique à l'an dernier, sur le nombre, même s'il y a des spectacles peut-être un peu plus élevés et qui feront l'objet peut-être d'une fréquentation plus importante. Mais il y a surtout la fréquentation concernant les pièces de théâtre qui sont offertes par le casino. Donc il y en a 10 cette année. Donc vous savez que les recettes bénéficient à la ville, enfin en partie. Voilà. Autres ventes diverses, ce sont tout ce qui est concessions, occupation du domaine public, donc il n'y a pas d'élément particulier. Ensuite, remboursement de frais divers, ce sont les frais dans le cadre de la LSH qui sont facturés, c'est-à-dire les frais autres que les salaires. Voilà. Donc en recettes de vente de services, nous étions à 584 l'an dernier, 593 cette année, vous voyez, donc il n'y a pas de dynamique importante, hein. Ça se maintient. Ensuite, pour le foncier, alors là, nous entrons dans les impôts et taxes. Alors, foncier, ensuite habitation, c'est-à-dire la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et puis foncier bâti et non bâti. Alors là, nous avons reçu une notification qui est prévisionnelle, donc elle peut être modifiée, mais nous avons quand même une notification officielle de la DGFiP, hein, prévisionnelle, mais qui pourra être éventuellement modifiée. Mais l'an dernier, nous avions eu un peu plus que ce qu'ils nous avaient budgété au départ. Voilà, donc nous sommes à 2 940 pour 2 856 l'an dernier. Nous sommes donc à 2,95% de plus que l'an dernier. Pourquoi? Alors, ce n'est pas qu'il y ait une augmentation de la population ou des bases, mais il y a l'augmentation de la valeur locative, puisque chaque année, une revalorisation qui est fixée par l'État, donc qui était de 7,10 en 2023 et qui est de 3,90 en 2024. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons une augmentation de 3%,
donc qui est inférieure à l'augmentation de la valeur locative, puisque cette augmentation de la valeur locative, elle n'intervient pas sur les locaux professionnels et commerciaux. D'accord. Ensuite, donc là, ben, rien à dire, hein, c'est, on subit, hein, entre guillemets. Voilà. Ensuite, attribution de compensation, ben, il n'y a pas de transfert de compétences prévu. Donc les attributions que nous versera la communauté de communes seront à l'identique de l'an dernier. Il n'y a pas de souci, puisqu'elles sont figées à partir du moment où il n'y a pas de transfert de compétences supplémentaires. Ensuite, le FNGIR et puis le FPIC, 1 270 réels. Donc on a budgété, nous avons budgété 1 270. Pareil, le FNGIR, c'est une dotation qui avait été mise en place lors de la réforme de la taxe professionnelle. Et le FPIC, c'est le fonds de péréquation qui est effectivement calculé au niveau de la communauté de communes et la communauté de communes répartissant effectivement entre toutes les communes adhérentes à la communauté de communes, sachant que nous sommes au niveau du FPIC à la fois contributeurs et à la fois bénéficiaires. Donc là, c'est la partie sur laquelle nous sommes bénéficiaires. Mais la majeure partie, bien évidemment, c'est le FNGIR. Alors, quelque chose qu'il est difficile de prévoir, c'est les jeux casinos. Alors ça, effectivement, il y a une dynamique. Il y en a eu une dynamique, puisque en 2023, nous avons budgété 600 et nous avons encaissé 758. Pourquoi nous avions budgété 600? Nous avions fait preuve d'une prudence excessive du fait des travaux de rénovation du casino qui ont été menés au cours de l'année 2023, mais qui n'ont pas eu un impact, en fin de compte, aussi important que ça. Donc cette année, nous sommes revenus à une prévision de 765, nous avons encaissé 758. C'est souvent la variable d'ajustement et c'est souvent la rubrique où nous avons les surprises les plus agréables, voilà, pour les finances de la collectivité. Voilà. Donc voilà, 765, 758, bon, on verra au fur et à mesure, hein, de l'année, puisque nous avons connaissance des sommes qui sont versées mensuellement. Taxes diverses. Alors, taxes diverses, par contre, là, nous sommes à l'effet contraire. 360 en 2023, et nous avons budgété que 314 cette année. Alors, pourquoi? Nous avons tenu compte d'une part, puisque alors, les taxes diverses, c'est quoi? Ce sont les taxes de séjour, ce sont les droits de mutation à titre onéreux sur les transactions immobilières, et puis c'est la taxe sur les consommations d'électricité. Voilà. Nous avons minoré un petit peu les droits de mutation à titre onéreux, puisqu'a priori, enfin, de sources notariales, entre guillemets, et puis enfin, de sources les marchands de biens, a priori, il y a quand même une baisse des mutations, hein, sur l'année. Donc nous avons réduit un petit peu le montant. Et puis surtout au niveau de la TCFFE, hein, donc la taxe sur l'électricité, en fin de compte, nous avons... Il y a une modification en fin de compte, hein, puisque maintenant c'est l'État qui perçoit cette taxe, alors qu'avant elle est versée à la commune directement. Maintenant c'est l'État qui perçoit cette taxe et qui la reverse aux communes. Mais elle la reverse aux communes pas sur le montant qui est perçu auprès des particuliers, elle la reverse aux communes sur le montant qui avait été perçu par la commune en 2022, plus 2%, donc très défavorisant. Donc là, nous risquons de perdre 40 000 euros à peu près sur la taxe sur les consommations d'électricité. Voilà, donc, 6 millions, donc sur les taxes, 6 431, 6 386, là aussi, ça confirme le fait qu'il n'y a pas de dynamique très importante. Voilà. Ensuite, les dotations. Voilà. Dotations. Alors, les dotations, première ligne, c'est la DGF et puis la DSR. Alors, pour l'instant, nous avions eu une provision qui avait été calculé par l'AMF sur la DGF, et nous avions rajouté une somme pour la DSR identique à l'an dernier. Donc ce qui fait effectivement, nous étions à 602 000 de dotation, ou 601, voilà. Nous avons reçu la notification officielle qui était en ligne hier, je crois avant-hier, enfin, ce début de semaine, donc elle n'a pas pu être incorporée dans les budgets qui vous sont présentés, et nous aurons un boni d'environ 15 000 euros par rapport à ce qui était prévu, pas sur la DGF, la DGF continue de baisser, mais sur la DSR. Voilà. Ensuite, tout ce qui est aide CCELS, les aides de l'ASP. Alors, les aides de l'ASP, c'est les aides qui sont versées dans le compte des contrats d'insertion. Voilà. Alors là, nous sommes 380, 318. Alors effectivement, il y a un petit peu moins cette année parce
que, en fin de compte, nous avons perçu cette année de l'État. Vous savez qu'il y a un manager de centre-ville qui a été embauché en 2023, 2022, pardon, excusez-moi, dans le cas des PVD, Petites Villes de Demain. Ce monsieur bénéficie d'un contrat de 2 ans qui se termine donc en 2024. Et l'aide de l'État est de 40 000 pour les 2 ans. Elle a été encaissée en totalité sur l'année 2023. Donc voilà, ce qui explique la baisse de 380 à 318. Et puis, il y a aussi eu un trop perçu sur les contrats d'insertion, ASP. Alors pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'ASP, elle verse des acomptes qui sont fonction du nombre d'emplois prévisionnels de l'année. Le seul problème, c'est que ça ne correspond pas toujours, puisqu'il peut y avoir moins d'emplois. Et donc, elle ajuste avec un décalage de 2 ans. Puis cette année, en fin de compte, nous devons en verser 62 000 entre 2022 et 2023. Autrement, il y a la partie fonctionnement Maison France Service. Donc, pour la Maison France Service, nous bénéficions de 2 aides. Nous bénéficions d'une aide de la communauté de communes, 19 000 euros. Et nous bénéficions d'une aide de l'État, alors qui était de 35 000 euros et qui, normalement, devrait être portée à 50 000 euros d'ici 2026, je crois. Donc, nous avons budgété 40 000. Ouais. Et puis, voilà l'aide qui est donné par l'État dans le cadre du dispositif cantine à 1 euro et qui s'ajoute aux recettes bien évidemment versées par les utilisateurs. Donc 109 000, on est à peu près dans les mêmes montants. D'accord ? Voilà, donc donc l'écart 318-380 provient de l'aide dans le cadre du contrat du manager de centre-ville. Voilà, aides diverses, régions, départements, 32 000 euros. C'est des aides qui sont versées dans le cadre des ateliers d'insertion par le département aussi. Et puis des actions portées par le CASC en particulier. D'accord. Donc là, nous devrions avoir un peu moins au niveau de l'atelier d'insertion. Ensuite, participation CAF et divers. Alors là, c'est très difficile d'évaluer les montants, puisqu'il n'y a aucune notification qui a encore été faite. Donc nous sommes, alors vous voyez, en 2023, nous étions effectivement pas trompés parce que nous n'avions pas d'éléments, mais nous avions été nettement trop pessimistes, hein, puisque nous avions budgété 300 et nous avions touché 400. Là, nous sommes repartis avec les mêmes sommes, hein, 409, 438, une légère augmentation. Mais celle-ci, ce sont vraiment des sommes qui sont vraiment à titre prévisionnel. Voilà. Ensuite, compensation taxe foncière, 959 000 euros. Ce sont la compensation qui est versée par l'État pour l'exonération dont bénéficient les locaux industriels à hauteur de 50%. Comme ça a été une décision d'État et que les sommes étaient perçues par les collectivités, l'État compense. Hein. Donc là, nous aurons les mêmes compensations, puisque la compensation s'est faite quand il y a eu la mise en place de la mesure. Voilà. FC TVA sur dépenses de fonctionnement. Bon, là, c'est quelques dépenses qui bénéficient d'un crédit TVA. Donc, dotation aux participations, donc 2 371 000, 2 421 000. On retrouve les 40 000, j'allais dire, qui étaient exceptionnels au titre de l'année 2023 pour l'aide manager. Ailleurs, nous sommes pratiquement sur les mêmes montants. Voilà. D'accord. Alors, les revenus locatifs divers. Donc les revenus immeubles, alors tant les loyers que les charges locatives récupérées, nous sommes partis sur un montant qui est légèrement inférieur, mais bon, on se rend compte que tous les ans, nous touchons à peu près les mêmes sommes. Hein. C'est ce qui veut dire que le taux d'occupation des logements est quasiment identique. Voilà. Et puis les charges, bon, elles peuvent varier d'une année sur l'autre, surtout qu'il y a un décalage dans la récupération, puisque le syndic nous donne les charges à récupérer avec un décalage en général d'un an, puisque l'exercice est arrêté l'année suivante. Haute loyer, location de salle, indemnité d'assurance, on a prévu 12 000, donc nous devrions effectivement, comme nous avons revu les tarifs de location des salles, nous devrions encaisser un tout petit peu plus, mais ça reste marginal sur le budget global quand même. Voilà. Et autre 7, alors il y a 57 000, là c'est aussi une innovation de la M57. Avant, les cessions de terrain étaient en exceptionnel. Maintenant, elles sont en revenus, j'allais dire, courants. Donc il y a une cession de terrain au budget annexe, lotissement de Sornat, puisque le terrain sur lequel va être porté le lotissement,
appartient au budget général, donc il va être vendu puisqu'il y a obligatoirement la mise en place d'un budget annexe qui a déjà été, que nous avions voté déjà. Et donc c'est cette cession qui intervient dans ce poste-là. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté effectivement de la M57 aussi. Voilà. Travaux en régie, ben, c'est tous les ans les travaux qui sont faits par les agents pour l'amélioration des bâtiments, hein, pour des travaux d'investissement. Donc là, bon, pareil, évaluation à l'identique de l'an dernier. Produit exceptionnel, c'est symbolique, hein, 1000 euros. Hein. Voilà, donc voilà les recettes de fonctionnement avec les caractéristiques que je vous ai exposées. Donc, que nous avions budgété 9 786 en 2023, nous avons encaissé 10 173 et ça venait surtout donc, des bonis sur, d'une part, les jeux casino et sur les dotations de la MSA. Et cette année, ben, nous budgétons 10 155. Quand je vous disais qu'il n'y avait pas de dynamique de recette, c'en est la preuve flagrante, puisque nous sommes au même montant que l'an dernier. Enfin, bon, 20 000, mais je veux dire, c'est epsilon, hein, sur un montant comme ça. Voilà, donc, montant des recettes en étant prudent, à l'identique de l'an dernier. Voilà, ça confirme ce que les caractéristiques générales de début de budget. Voilà pour les recettes. Est-ce que, je sais pas, on peut faire une pause si vous avez des questions? Non, pas de questions? On passe aux dépenses. Alors là, c'est un peu moins réjouissant. Voilà. Alors pareil, je veux pas vous, on va pas prendre tous les comptes, hein, ceux qui n'ont pas beaucoup varié. Voilà, eau assainissement, bon, alors si, nous avons tenu compte de l'inflation quand même, hein, et puis en sachant que nous avons tenu compte du fait que, je me répète, que les dépenses 2023 avaient été compressées au maximum, donc nous avons quand même tenu compte, puisque des budgets 2023 que nous avions fixés, et puis de l'inflation qui a quand même eu sur ces deux années. Hein. Donc, eau, assainissement, donc 80-86 000. Alors, où l'augmentation est la plus significative sur les sources d'énergie, c'est sur l'électricité. Alors, tout ce qui est électricité et chauffage, alors hors chaufferie-bois, bien évidemment, puisque là, nous l'avons budgété au même montant que l'an dernier, mais tout ce qui est gaz et électricité, ce sont des évaluations, comme l'an dernier, qui nous ont été faites par le SIDEL, puisque le SIDEL a connaissance de tous nos compteurs. Donc, ils ont considéré une consommation à l'identique, mais avec les nouveaux tarifs qui sont appliqués. Alors, l'électricité, c'est quand même là le plus significatif, hein, puisque nous étions à 340 et nous sommes à 410. Hein. Alors, je ne sais pas, à titre indicatif, hein, en 2002, nous avons payé 150. Hein. 150, 410. Hein. Alors, nous avons bénéficié de tarifs particulièrement intéressants du fait des groupements d'achat, enfin, du groupement d'achat du SIDEL. Hein. Et après, on était remonté, puisque si on regardait les années précédentes, c'était 190-200, quoi. Enfin, ça a doublé quand même par rapport à 2021. Doublé. Voilà. Et nous ne sommes pas les plus mal lotis, parce que nous avions le contrat, effectivement. Ensuite, chauffage, donc 227 l'an dernier, 257 cette année. Étant donné que nous avons budgété le même montant pour la chaufferie bois, 90 000 euros, si je veux de mémoire, ce qui veut dire que l'augmentation de 30 000, elle vient sur le gaz et sur les autres sources de chauffage. Pareil, là, évaluation SIDEL. Carburant, 71,75, rien à dire. Alimentation, donc, il a été demandé effectivement au service de veiller particulièrement au prix d'acquisition, au prix d'achat, bien évidemment, mais surtout qu'il n'y ait pas effectivement trop de déperdition d'aliments, puisque c'est là qu'on peut faire les économies éventuelles. Parce qu'il faut reconnaître aussi que les produits alimentaires ont quand même beaucoup augmenté et qu'il sera difficile, effectivement, si en quantité égale, d'avoir une réduction de 30 000 euros. Produits de traitement, fourniture, bon, fourre-tout, il n'y a rien de spécial, 52,68. Fourniture, voirie, 34,25. Haute administrative, 41,44, rien à dire. Haute matière fourniture 131-138, sachant que nous avions budgété 250 en 2023. Hein, donc nous demandons effectivement aux services de continuer leur effort au niveau des matières et fournitures, parce que ça, c'est vraiment les comptes fourre-tout. Hein. Voilà. Les prestations avec les entreprises, alors 74 et 116. Alors, il y a deux choses qui justifient l'augmentation. Il y a une prestation Citeos qui est fonction des travaux qui font
chaque année dans le cadre du contrat global d'énergie. Donc là, cette année, c'est un petit peu plus important. Et puis, il a été programmé effectivement une assistance pour le renouvellement du marché assurance qui est en cours. Voilà, et le renouvellement, et puis le nouveau marché pour la fibre. Voilà. Donc, ça explique la progression. Location mobilière, immobilière, 235, 234. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Entretien bâtiment, voirie terrain, nous avions budgété 240 l'an dernier, nous budgétons 250 et nous avions réalisé 191. Donc là-dessus, il y a effectivement deux choses qui justifient la progression. Il y a un budget pour l'élagage des arbres, mais tous les ans, il y a un budget. Il est un peu plus important. Et puis, il y a un budget qui a été aussi inscrit pour l'abattage d'arbres, puisque je crois qu'il y a eu un contrôle au niveau de dans le parc et il y aurait des arbres effectivement à resuivre. Autrement, les entretiens, l'entretien normal des bâtiments, ok. Mais là aussi, nous avions fait des économies par rapport au budget l'an dernier. Entretien véhicule, somme pas très significative. Entretien haut de biens immobiliers, maintenance, nous sommes sur les mêmes montants. Budgété 166,23, 169 cette année, donc ça correspond tout juste à l'inflation. Hein. L'assurance, alors ça c'est l'assurance, il faudra s'attendre à une augmentation probablement, puisque le marché d'assurance qui était en cours vient à échéance courant 2024, et donc nous sommes effectivement en étude pour le renouvellement, donc nous attendons les offres, mais quand on écoute effectivement ce que les autres collectivités nous disent, on peut être inquiet. On peut être inquiet parce que effectivement, avec les sinistres et qu'on vient encore de voir, et ça va être très difficile de s'assurer. D'autant plus difficile de le faire à un coût qui serait identique à celui qu'on a bénéficié jusqu'à maintenant. Hein. Aujourd'hui, il y a des communes qui ne sont plus assurées. Il y en a plusieurs, c'est une vraie problématique et il y a tout un travail qui est en train de se faire aussi et une sollicitation de l'AMF sur le sujet puisqu'il faudra peut-être voir comment on assure nos biens parce que l'objectif ce serait peut-être aussi il y a des biens qui ne seront pas nécessaires à assurer mais qui aient des priorités au niveau de tel ou tel bâtiment. Enfin voilà, il y a une réflexion très importante sur le sujet. Tout à fait. C'est un poste maintenant qui devient charnière. Oui. Études recherche. Alors, un poste significatif, même si en valeur absolue, il n'est pas très important. Il est passé de 11 000 à 26. Pourquoi ? Parce que dans le cas des petites villes de demain et de l'étude qui a été faite par le manager centre-ville sur la période de son contrat, il y a une assistance qui est faite par la CCI. Pour effectivement donc exploiter les données qui ont été recueillies par le manager centre-ville et pour faire des propositions pour dynamiser le centre-ville et aménager le centre-ville. Ouais. Sur les assurances, effectivement, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a plus que la SMAC et Groupama. Oui, c'est ça. Et effectivement, ils ont à un moment donné, la SMAC a cassé quand même les prix. Et c'est pour ça aussi que d'autres assurances ne répondent pas au vu des enjeux. Et puis alors, on ne parle pas forcément des problématiques climatiques, mais les risques. En général, on n'est pas assuré pour les risques. Tout à fait. Mais j'avais encore le responsable du pont, le groupe Amaya, la semaine dernière au téléphone. Effectivement, il disait que c'est très difficile et qu'ils avaient des difficultés pour proposer des choses intéressantes. Mais Groupama est encore présent auprès des collectivités, en fin de compte. Ouais, ouais. Mais c'est aussi difficile. Quoi. Voilà, ensuite, organisme de formation. Alors, formation, alors effectivement, la formation, effectivement, le budget formation n'avait pas été très important en 2023, donc il le sera un peu plus en 2024, donc il est budgété 32 000. Ouais. Honoraire, c'est pas non plus un poste très important, hein, 30-36 000, c'est tout ce qui est honoraire, huissier, géomètre, toutes les professions libérales qui peuvent intervenir dans des cadres divers et variés. Voilà. Alors, annonce, fête, publicité, réception, alors là, c'est un budget qui est un peu plus important.
Différentes choses. La saison culturelle, effectivement, est un peu plus fournie sur le coup que l'an dernier. Il y a différentes choses qui interviennent cette année qui n'existaient pas l'an dernier. En particulier, la fête des associations qui aura lieu cette année. Et puis, l'été des portraits. Voilà. Voilà. Et puis, le 80e anniversaire de la Libération. Je ne me trompe pas, c'est ça, 80e. Voilà. Donc il y a des actions qui sont prévues, il y a des frais qui sont engagés dans le cadre du jumelage, puisque il y aura des déplacements qui seront effectués par nos amis allemands, enfin dans le cadre du jumelage. Donc il y a vraiment des choses exceptionnelles cette année qui n'étaient pas intervenues en 2023, sachant qu'en 2023, le budget avait été prévu à 150 000, 146. Hein. Il y avait eu que 109, il y a eu aussi des efforts de fait. Donc là, on retrouve un budget un peu plus élevé. Et c'est un poste, effectivement, qui s'explique pour des événements ponctuels. Voilà. Alors, déplacement, transport, mission, pareil, ça nécessite une explication. Nous passons de 50 à 60 000. Il faut savoir que l'an dernier, en fin de compte, le conseil régional qui assure le coût des transports refacture à la ville pour les élèves qui vont au collège et qui sont à moins de 3 km, je crois que c'est ça, hein, je ne fais pas d'erreur. Voilà. Et donc, ils n'ont pas facturé en 2023, donc il y aura 2 ans en 2024. Voilà. Mais je pense que là, ils ont eu des problèmes au niveau administratif du conseil régional parce qu'ils n'avaient pas non plus versé la subvention à la communauté de communes. On en parlait hier. Mais là, ils n'ont pas facturé non plus. Alors. Donc, il y a décalage. Ouais. Ils ne sont pas obligés. Hein. Oui, ils ne sont pas obligés. Mais ça montre qu'ils devaient avoir quelques problèmes quand même là, d'organisation administrative. Voilà. Affranchissement télécommunication, on laisse, hein, 95-100, cotisation d'hiver, 18-22, rien de spécial. Autre service extérieur, 186-210. Nous avons budgété 220 l'an dernier, mais par rapport à l'année dernière, l'augmentation provient essentiellement des 24 000 euros, enfin environ, plus quelques frais annexes, concernant le tournage du film, dont on avait déjà parlé au conseil municipal et qui va se tourner, je crois, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui explique l'augmentation. Taxe foncière, eh bien 192-200, eh bien nous sommes comme les particuliers, nous bénéficions entre guillemets de la hausse des valeurs locatives de 390. Voilà, donc il n'y a pas d'élément nouveau. Et puis alors, vous avez une ligne, parce que j'ai tenu à la mettre à part, enfin à la faire mettre à part et à vous la présenter en part. Ce sont les dépenses imprévues. Les 697 000, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont en bas. Ce sont les dépenses imprévues, mais ça ne s'appelle plus dépenses imprévues, puisqu'elles seront intégrées dans 3 postes, dans les autres matières, dans l'entretien des bâtiments et dans les services extérieurs. Donc elles sont effectivement noyées dans 3 postes différents, mais on pourra les prendre pour faire face éventuellement à des dépenses imprévues. Mais alors, c'est une présentation un peu différente, c'est tout. Moi, je n'ai toujours pas compris, honnêtement, le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Mais je vous les ai mis à part comme si c'était des dépenses imprévues et comme si nous les traitions comme avec la M14. Voilà, voilà, donc 3,008 le budget 2024. En sachant que nous avions 2,6 millions en 2023. Mais si vous allez voir ce bel état, eh ben vous aurez 3 705 000, puisque seront ajoutés les 697 000. Voilà, il faut le savoir. Okay. Ensuite, on continue. Alors, les charges de personnel, il n'y a pas trop, en fin de compte, de commentaires à faire, parce qu'elles sont plutôt, bien maintenues, bien maîtrisées, si je puis dire. Puisque vous avez effectivement 4 835 alors qu'il y avait 4 719 l'an dernier. Voilà. Et donc l'augmentation est quand même très minime. Alors surtout qu'il faut savoir quand même que vous avez des mesures de 2023 qui ont leur plein effet en 2024. En particulier la revalorisation du point d'indice de 1,50 au 1er juillet, d'accord, 2023. Et puis, il y a eu des bonifications au niveau des indices. Et puis, il y a tout ce qui est reclassement, promotion. Voilà, donc, c'est plutôt satisfaisant, puisque c'est un poste quand même important et qui représente presque 50% des dépenses de fonctionnement.
Donc, elles arrivent à être maintenues. Ben, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'embauche nouvelle, en fin de compte. Et puis, il n'y a pas non plus de, je crois qu'il y a un départ à la retraite, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenues, 4 719, 4 835, c'est le minima. Voilà. D'accord ? Ensuite, tout ce qui est dépenses, charges annexes, enfin haute charge gestion courante, alors, je vais aller rapidement là-dessus. Il y a des subventions, alors la subvention budget annexe, TVA chauffe-frie, il n'y en a pas. Le budget s'équilibre en lui-même. Le budget annexe, TVA loyer, nous sommes obligés chaque année de faire une subvention du budget général puisque les engagements d'emprunt que nous avons, en particulier dans le cadre des travaux de la rénovation Celto, eh bien, il faut équilibrer. Donc, nous avons budgété 50 comme 2023. Voilà. Indemnité d'élu, il n'y a rien de spécial, hein, le même montant, voilà, 160, 162, un budgété. Service incendie, il y a eu une augmentation au niveau du 10, voilà, donc 217, 230. Créancier récouvrable, on n'en parle pas. Contribution assainissement SIDEL, c'est comme l'an dernier, 76, 78. Voilà. Et puis les subventions aux assos, alors elles vous seront présentées tout à l'heure. Le principe restant le même, c'est-à-dire que les subventions pérennes et de fonctionnement ont été maintenus comme les années précédentes. Voilà. Par contre, fait l'étude d'une, enfin, toutes les subventions font l'objet d'une étude, font l'attention particulière les subventions exceptionnelles. Mon ami collègue vous en parlera plus savamment tout à l'heure. Voilà. Mais nous restons dans des budgets qui sont les mêmes. Le budget CCAS est maintenu à 5000 euros près, je crois. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, maintenu. Voilà. Donc, il y a un maintien des. Alors, nous avions budgété 430. Nous budgétons toujours un petit peu plus parce qu'il peut y avoir des associations nouvelles. Il peut y avoir des événements qui n'étaient pas prévus et qui se réalisent. Mais là, on est plutôt dans le sens contraire en ce moment. C'est des événements qui sont prévus et qui sont budgétés et qui ne se réalisent pas toujours, en fin de compte. Hein. Voilà. Voilà, autre charge, 5000, voilà. Donc autre charge gestion courante, 950, 900 réalisés. Donc l'augmentation, en fin de compte, vient du service incendie, du SDIS, hein, et puis un petit peu sur les assos. Voilà. Atténuation de produits, c'est le FPIC. Voilà. Et donc voilà, c'est un tableau qui reprend toutes les... tout le détail des charges. Voilà. Alors, je ne je recommande pas. Hein. Charges exceptionnelles, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, 80 000 euros, c'est les reversements que l'on a à faire dans le cadre des contrats d'insertion dont je vous parlais tout à l'heure, hein, d'ASP. Il y a 44 000 au titre de 2022 et 23 000 au titre de 2023 voilà, qui sont à reverser, voilà, puisqu'ils avaient trop versé. Nous avons quand même toujours reconduit la provision de 160 000 euros, qui, j'allais dire, qui peut être assimilée à une dépense imprévue, puis cette provision, nous n'avons jamais eu à l'utiliser au cours du mandat. C'est une provision, on ne sait jamais, hein, s'il y avait un litige, quelqu'un, un problème avec la collectivité, et que quelqu'un, effectivement, est en justice pour, contre la collectivité. Voilà. Charges financières, 117, 123. Alors, c'est un tout petit peu plus que l'an dernier. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a des prêts qui avaient été faits en 2022, qui ont été débloqués en courant 2023 et donc qui produisent leur plein effet, si je puis dire, en 2024. Voilà. Amortissement. Alors, les amortissements, nettement plus importants que l'an dernier. 574 000, 656 000. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la mise en application de la M57, il a fallu refaire l'inventaire du patrimoine. Et puis en refaisant l'inventaire du patrimoine, puisque en fin de compte, c'était la perception qui tenait effectivement le tableau d'amortissement. Ils se sont aperçus qu'il y avait des biens qu'ils n'avaient jamais amortis. Alors, ils ont régularisé les amortissements. Et puis maintenant, étant donné qu'il y a le prorata temporis, on amortit à la date d'acquisition et non plus au 1er janvier de l'année N plus 1. Voilà, donc il y a un montant d'avant. Mais bon, c'est une opération qui affecte le résultat comptable, mais qui n'affecte pas la trésorerie, puisque ce n'est pas un décaissement. Mmh. Voilà. Bon, là, on ne va pas revenir. Les remboursements d'emprunt, 570. Donc, les remboursements d'emprunt sur l'année, en capital, hein, 600 000 euros.
Donc je veux dire que si vous ajoutez les intérêts en plus, 700, les échéances d'emprunt, c'est 723 000 euros. Voilà, alors je vous ai calculé comme tous les ans. Ce qui est intéressant, c'est l'épargne brute. Donc vous avez vu avant les recettes, on ne revient pas dessus, les charges, les intérêts, on a parlé. Alors l'épargne brute, qui est un élément important. Voilà, donc nous avions budgété l'an dernier 740. Et vous avez, c'est quand je vous disais que c'était exceptionnel, c'était très exceptionnel, nous avons eu 1 600 000. Voilà. Et nous sommes cette année avec un budget d'épargne brute à 968, qui représente globalement 10%, enfin 9,80 des recettes réelles de fonctionnement du budget. Et les normes qui sont effectivement conseillées dans les collectivités, c'est entre 7 et 13%. Voilà. Donc l'an dernier, nous étions à 16, cette année, nous sommes à 10. Quasiment, puisque nous sommes à 10 millions à peu près. Hein. Donc nous sommes complètement dans les ratios normatifs des communes de notre strate. Voilà. Remboursement capital emprunt, voilà, donc épargne nette 367 000, alors que l'an dernier, nous avions budgété 165 000. Voilà. Voilà, alors avant d'aller plus loin, si vous avez des... Oula, je vais trop loin, là, il faut que je recule. Voilà. Donc voilà, alors le budget, ben, je vous l'ai dit en introduction, pas de dynamique de recettes, mais assez logique, à partir du moment où on maintient les taux de fiscalité, difficile d'avoir une dynamique de recettes. Hein. Et par contre, l'effet effectivement inflationniste des charges, hein, avec des charges qui l'an dernier avaient. Alors, bien sûr, il y a peut-être des choses qui auraient dû peut-être être faites l'an dernier qui sont décalées en 2024, qui expliquent que l'an dernier, nous ayons eu des charges nettement inférieures aux charges budgétées. Mais voilà. Donc, ce qui explique le résultat moins important, mais sachant que l'année dernière n'est pas, enfin, pour moi, n'est pas une année de référence. Voilà, si vous avez des questions sur les recettes et les dépenses. Non, pas de questions. Continue. Alors, les budgets annexes. Les budgets annexes, ben, je ne reprends pas le budget général, on vient de le voir. Hein, donc, voilà. On passe. Alors, le budget annexe assainissement. Alors, le budget annexe assainissement, je vous l'ai dit dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, et je vous l'ai dit aussi dans le cadre de la commission des finances, c'est un budget qui va être effectivement à revoir. Alors, il va être à revoir dans le cadre de la taxe. Donc, il faut qu'on fasse une étude, puisque on nous avait remis le schéma directeur d'assainissement. Et normalement, les investissements à faire, c'est 300 000 euros par an. Donc, le budget de fonctionnement ne permet pas de financer ce montant-là. On ne peut pas non plus tout emprunter, parce qu'en fin de compte, le budget ne pourrait plus subvenir en fin de compte, au remboursement annuel. Donc, il y aura une révision de la taxe. J'ai quand même regardé un petit peu et je me suis rendu compte effectivement qu'elle n'a pas été augmentée depuis un certain nombre d'années déjà. Et que quand on regarde, quand on fait une comparaison avec des autres villes, enfin, alentour, on est effectivement un petit peu en dessous. Voilà. Donc, enfin, pour l'instant, aucun calcul n'a été fait pour faire une projection du montant de la taxe qui sera appliquée. Ça vous sera proposé soit au budget, soit au conseil municipal de juin, probablement. Voilà, donc pour l'instant, les recettes. Nous sommes partis aussi bien pour le budget assainissement que le budget eau, avec une consommation, un litrage d'eau identique à l'an dernier. Voilà, il n'y a pas de raison de modifier pour l'instant. Il n'y a pas d'éléments qui nous font croire le contraire. Voilà. Donc les recettes, elles sont stables. Voilà. Au niveau des charges, il y a quand même des charges au niveau de l'assainissement, hein, donc qui ont été prévues. 268 000, nous avons prévu 294, puisqu'il y a quand même des coûts d'entretien importants à faire. Voilà. Intérêt de la dette, les dettes on connaît, remboursement on connaît, donc là-dessus. Et vous voyez que l'épargne nette est négative, donc ça montre bien effectivement que la taxe n'est pas suffisante pour faire face à de nouveaux emprunts et pour faire face surtout aux investissements de 300 000 euros minimum. Et vous voyez qu'on est, nous avions budgété 310 en 2023, nous avons fait 270, hein, donc les charges, ce n'est pas des charges surévaluées, ça, hein, et nous budgétons 294. Le budget annexe O,
Alors, le budget annexe O, les recettes, les recettes, elles restent identiques, hein, 260, 256, hein, puisque nous sommes partis avec un litrage identique. Alors, charges de fonctionnement, ça peut vous paraître effectivement important, mais enfin, Annie pourrait aussi vous en dire plus que moi à ce niveau-là. Il a été budgété, alors, il a été déjà budgété l'année précédente, ça n'a pas été fait, le remplacement d'un filtre charbon pour la station de pompage. Annie, si je me trompe, tu me dis. Je ne suis pas. Hein. Ah bon. Ah ouais, donc c'est pas. Mais il a budgété. Hein. Ouais. On ne fera pas. Ah bon, mais très bien. On avait budgété sans. Oui, parce qu'on avait des résultats d'analyse qui pouvaient penser qu'il aurait fallu mettre ce filtre charbon. On pourra s'en passer pour l'instant. Ah non, oui, puisqu'on est dans les normes. Bon, ben alors, donc là, on est largement. Oui, il fallait mettre 100 000 euros tous les ans si ils ont revu les données et on est bien dans les critères d'une eau très correcte. D'accord, là, on fera des économies alors par rapport au budget. Alors. Il y a pas de souci. Mais le budget ne pose aucun problème. Hein. Géo, il est excédentaire. Voilà. Et puis, par contre, il y a des remplacements, je crois, un programme de remplacement des poteaux d'incendie, je crois. Mais pas dans des proportions autour de 20-30 000 euros. Hein. Voilà. Ensuite, le budget annexe loyer. Les recettes de fonctionnement, ce sont tous les loyers. Alors, les loyers sont quasiment identiques à l'an dernier. Et dedans, bien évidemment, il y a la redevance Celto. Voilà, la redevance Celto. Nous avons prévu une redevance. Alors, nous n'avons pas le montant encore exact, mais nous connaissons les chiffres de Celto. Ils seront légèrement inférieurs à 2023, à l'année précédente, donc à 2022, 2023. Mais ce n'est pas significatif. Hein, donc, nous avons prévu à peu près la même redevance. Et les charges de fonctionnement, donc nous serons à l'identique en charges de fonctionnement. Nous avons prévu un tout petit peu plus, mais il n'y aura pas de. Sauf éléments exceptionnels à Celto. Alors, il y aura un programme peut-être concernant les locaux focaux, hein, mais ça fera l'objet d'un dossier au niveau de l'investissement, hein, puisqu'il y aura éventuellement à l'étude le remplacement d'une chaudière à focale. Ouais. Et la toiture à revoir. À rénover. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, Celto, puisque vous savez qu'il y a une nouvelle DSP qui va être mise en place, alors rien dit que ce sera Celto qui sera l'adjudicataire, voilà. Mais donc il n'y aura pas de travaux avant effectivement cette nouvelle DSP qui serait mise en place au 1er janvier 2025. Hein. Donc le gros dossier, ça va être focal au niveau de la toiture et de la chaudière. Donc là, effectivement, l'épargne brute 160, le remboursement du capital 176, donc ils équilibrent. Mais je répète, il y a quand même 50 000 euros de budget d'équilibre qui a été budgété. Voilà, budget annexe chaufferie. Alors chaufferie, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, puisqu'on en a parlé déjà au dernier conseil et puis à la réunion qui a été faite avec les utilisateurs. Donc, les nouveaux tarifs ont été votés. Ils ont été votés au conseil précédent. Le budget s'équilibre, hein, épargne brute 15, vous voyez. Donc, au niveau des tarifs des sources d'énergie, gaz et bois, nous avons des tarifs garantis pour l'année 2024. Pour les consommations, les unités de chaleur vendues, ça, on ne sait pas. Voilà. Donc, pour l'instant, ça a l'air de se maintenir. Voilà. Donc, on devrait avoir un budget équilibré. On n'a qu'un seul problème, mais vous le connaissez aussi, c'est celui de la subvention qui n'avait pas été perçue, des 20 000 euros. Celle-ci, on ne la percevra jamais. On a prévu dans le dossier d'investissement, étant donné qu'il y aura, on a parlé aussi de la deuxième chaufferie bois, dernier conseil, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, comme pour l'instant, la deuxième chaufferie bois, elle ne peut se financer que par cette deuxième chaufferie, et celle-ci n'est encore pas en place, donc il y aura un financement bancaire et donc pour financer l'étude, et nous intégrerons les 13 000, les 15 000 de subventions qui nous manquent, puisque les 15 000 de subventions qui nous manquent, il nous manque en emprunt, puisque l'emprunt avait été calé pour correspondre au coût de revient de la chaufferie bois, moins les subventions qui nous avaient été promises.
Et comme il y a 15 000 de moins, il y a eu 15 000 de suivants d'emprunts qui n'ont pas été réalisés au moment venu. Donc on les fera cette année. Lotissement Sorna. Alors lotissement Sorna, donc c'est, on en a parlé tout à l'heure, donc il va commencer en 2024. Donc nous avons prévu les charges pour le tir, c'est le cas de le dire, voilà, mais pas encore de cession de terrain en 2024. Puisque le temps de commencer et le temps de lotir, donc les ventes de terrain ne se font qu'à partir de 2025, enfin il faut l'espérer. Donc les charges de fonctionnement, elles vont se financer comment? Vous aurez tout à l'heure à voter effectivement une avance du budget général au budget lotissement pour faire face au paiement des factures de lotissement. Et puis cette avance sera remboursée au budget général lors de la vente des terrains. Voilà. Donc ce budget-là, il ne demande pas de commentaires particuliers. D'accord ? Voilà. Donc le cumul d'épargne brute, tout budget confondu, 1 189 000 euros. Voilà. Et épargne nette, oui. Voilà pour les budgets annexes. Donc les budgets annexes, alors, les investissements, on en reparlera tout à l'heure. Pour les investissements, la chaufferie bois, l'investissement de la chaufferie bois, ce sera l'étude de faisabilité de la deuxième chaufferie. Voilà, donc il n'y aura pas d'autres éléments. Pour les loyers, on en a parlé tout à l'heure, c'est la toiture et la chaudière du bâtiment focal. Voilà. Pour l'instant, c'est encore pas chiffré. Hein. Pour Celto, donc il y aura rien. Sauf qu'il y aura, je crois, un recensement des réseaux à faire, mais il n'y aura pas de gros travaux à Celto, puisque nous sommes dans l'attente d'une nouvelle délégation. Pour l'eau, donc le schéma directeur de l'eau continue, hein, puisque nous sommes engagés à faire des travaux tous les ans. Donc je crois que cette année, il y a la fin, mais Annie pourra le dire aussi plus savamment que moi, il y a la fin, je crois, de la rue de l'Égalité et la rue Bellevue qui est à faire, hein, c'est ça? Comment? T'en parleras? Oui, c'est ça. Si ce n'est que, mais je l'avais dit ça la dernière fois, dans le budget haut au niveau des investissements, nous avons bénéficié d'une subvention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour les nouveaux champs captants qui avaient été faits déjà il y a plusieurs années, de 300 000 euros. Voilà. Et puis, schéma directeur de l'assainissement, eh bien, effectivement, il commencera en 2024 aussi, pour environ 350 000 de travaux. Voilà. Questions sur le budget annexe, non? Non, non plus. Voilà, bon, un tableau là sur les... Mais ça, vous l'avez regardé, mais je ne vais pas vous le commenter parce que tout ce qui est noté ici, je vous l'ai dit oralement. Hein, donc, c'est les écarts entre le budget de 2024 et les réalisations 2023. Hein, donc, je ne reviens pas dessus, hein, c'est vu. Et au niveau des dépenses, voilà, donc pareil, vous l'avez tous les ans. Voilà, ah, voilà la fongibilité des crédits, les 697 000 qui ont été prévus. Voilà. Alors, si vous avez effectivement la curiosité d'aller voir, ça ce sont les recettes de fonctionnement, 12 650 887, inclus la reprise de l'excédent 2023. Quand je vous disais tout à l'heure que nous avions un excédent à reporter de 2 500, j'ai arrondi, hein, il était de 2 486. Donc le budget hors excédent, c'est 10 164 074. Et les dépenses, nous avions 12 650 887. Voilà, il faut équilibrer les budgets, on n'a pas de solution. Et si on enlève la provision pour risque, qui est une dépense imprévue, la fongibilité des crédits, 700 000 euros, voilà, et un virement à la section d'investissement, puisque je vous disais, pour l'instant, en attendant les subventions et pour limiter le recours à l'emprunt, comme nous avons quand même un excédent de fonctionnement confortable, nous prévoyons un autofinancement d'1,9 million, mais cet autofinancement il est réellement voté lors de l'affectation des résultats. Donc nous serions donc à 9 843 000 de dépenses et nous nous retrouvons donc avec le résultat que je vous indiquais tout à l'heure en épargne nette, 320 000 euros. Alors si vous avez la curiosité sur les gros états qui vous ont été envoyés, là, les nouveaux états de la M57, vous allez page 9 de l'état et vous allez retrouver ces chiffres-là. Hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, là je vous le fais tous les ans. C'est le tableau d'évolution de la DGF chaque année.
Voilà, donc chaque année on rajoute une. Alors donc on est un petit peu, on n'est pas juste, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait reçu la notification officielle de la DGFiP et nous serons non pas à 600, mais nous serons à 615 000. Voilà, d'accord. Et en 2014, nous étions à 1,3 million, quand nous sommes à plus de la moitié moins. D'accord. Le FPIC, pareil, le FPIC, alors ça, c'est ce sont des prévisions, puisque c'est un calcul qui est fait au niveau de la communauté de communes. Voilà. Les ratios financiers. Alors les ratios, bon, je vous le dis tous les ans, je me répète, il faut quand même être prudent, parce qu'on est sur on est bien sur les strates. Mais je veux dire que si vous prenez une ville thermale ou une ville qui a un casino, une ville qui n'en a pas, je veux dire qu'on peut pas, c'est pas comparable. Donc on se rend compte qu'effectivement, par exemple, au niveau des recettes, on est nettement au-delà de la moyenne. Par contre, les dépenses, nous sommes aussi au-delà de la moyenne. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution chaque année. Voilà, donc nous sommes à peu près pour l'épargne brute. Donc l'an dernier, je vous avais dit que nous étions... c'était presque une anomalie. Voilà. Nous avons un taux d'épargne brute de 8,63 par rapport aux recettes réelles. Donc nous sommes dans la moyenne. Les ratios par habitant, alors là, en fonction du nombre d'habitants, on prend les dépenses réelles. Donc dépenses réelles de fonctionnement par habitant. Vous voyez les moyennes des strates, 904, le budget 1900, 1700. Donc nous sommes nettement au-delà. Produit de la fiscalité. Vous voyez que nous sommes aussi légèrement au-dessus. En recettes réelles de fonctionnement, alors c'est là que vous voyez qu'on est, pas, on est toujours déphasé, parce que la moyenne de la strate, c'est 1100 et nous sommes à 2000. Donc vous vous rendez compte. Donc ce qui est logique aussi, que nous ayons des recettes, des dépenses qui soient le double de la moyenne de la strate. Voilà. Donc il faut être très prudent. La DGF par habitant, par contre, nous sommes en dessous des moyennes, ce qui est un peu logique. Puisque la DGF est fonction aussi de la richesse supposée de la collectivité, et nous sommes supposés être une commune riche. Voilà. Voilà. En cours de dette par habitant, nous sommes carrément comme l'an dernier. La dette par habitant, à peu près aussi. Voilà, donc il n'y a pas et le nombre d'habitants pris en compte, c'est le nombre d'habitants DGF, c'est 4735. Voilà. Voilà. Et j'aime bien faire la comparaison des taux d'imposition avec les villes environnantes. Et je confirme que Bourbon-Lancy est inférieur aux villes environnantes. Alors, je prends les villes environnantes. Effectivement, Marcel me parlait de Dijon. Alors, effectivement, je n'ai pas pris Dijon, hein, Marcel, parce que je ne la connais pas déjà d'une part. Et puis, j'ai trouvé que c'était pas elle n'est pas vraiment de la région. Elle n'est pas, depuis que Dijon n'est pas très comparable à Bourbon. Mais si on compare pour être avec Crona, même Crona est supérieur à nous. Guignon est supérieur à nous. Voilà. Parel-Monial, nettement supérieur. Digoin, supérieur. Et Charolles, supérieur. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà, nous sommes à 45-50. Charolles, 51. Digoin, 53. Parel, 57. Voilà. Donc, Guignon est à peu près comme nous, 45-72, 45-50, voilà. Et Crona est à 46 même. Voilà. Donc, je confirme que sur le foncier bâti, nous sommes quand même une des villes les moins chères, des villes qui nous ressemblent dans sur notre territoire environnant. Alors, par contre, le non bâti, ça, je l'avais dit, là, nous sommes un peu au-dessus. Puis 66, Crona 54, Guignon 66, alors Guignon est comme nous, Parel-Monial 62, mais je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de non bâtis, eux. Voilà. Digoin 62, nous sommes tous à 60. Et par contre, Charolles est très faible, 39. Voilà. Il y a toujours la taxe d'habitation, mais qui en fin de compte a des effets très limités, puisque ça porte uniquement sur les résidences secondaires. Hein. Donc voilà. Alors pourquoi nous sommes aussi plus faibles que Paray et Digoin? C'est parce que les taux, on en a parlé hier dans le cadre de la présentation des budgets de la communauté de communes, nous sommes à des taux qui sont inférieurs. Hein, puisque vous voyez qu'en foncier bâti, la communauté de communes, la nôtre entre guillemets, 4% et 11% pour le Grand Charolais. Hein, d'accord. Mais malgré ça,
les villes qui sont dans le Grand Charolais, les villes centres, Digoin, Paray et Charolles, ils ont des taux de fiscalité qui sont supérieurs aux nôtres. Digoin est à 42, nous sommes à 41. Paray est à 43,50, nous 41. Et il y a donc ce phénomène des taux de la communauté de communes. Voilà. La CFE, alors je l'ai mis pour mémoire, puisque la CFE, c'est donc l'impôt payé par les entreprises. Donc, CFE sur la communauté de communes Arroux, Loire et Somme, c'est 25,74 et Grand Charolais, c'est 26,15. Donc, vous voyez que nous avons des taux qui sont grosso modo similaires, ce qui est plutôt bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un écart trop important sur la CFE, parce que c'est quand même un impôt payé par les entreprises. Il ne faudrait pas qu'il y ait une disparité trop importante pour les entreprises qui s'installent soit sur celle du Grand Charolais, soit sur celle de Gugnon-Bourbon. Les frais de personnel, on doit vous le présenter. Voilà, il y a l'évolution tous les ans. Voilà, donc 23-24, c'est la prévision, avec des chiffres inflationnistes modérés, entre guillemets, et avec un effectif qui se maintient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il devait y avoir un départ en retraite. Alors, je ne sais pas si ça doit correspondre, 123-122. Voilà, d'accord. La durée étant 2607 heures. L'encours global de la dette, il était de 9,8 millions en 2023, 10,8 millions. Pourquoi ? Parce que les emprunts qui avaient été contractés en 2022 ont été débloqués à hauteur de 1,5 million en 2023. Voilà, ce qui explique l'augmentation. Et vous avez la répartition, ça peut être intéressant, par organisme prêteur, vous voyez. Donc, vous voyez que les organismes prêteurs dominants, c'est la Caisse d'épargne, la Banque populaire, après, via la Banque postale, la Banque des territoires. Voilà. Mais vous voyez que le crédit agricole, en fin de compte, est plutôt faible, parce que c'était une politique du crédit agricole aussi. Ils ne démarchaient pas particulièrement, j'en avais parlé avec eux, les collectivités. Hein. Voilà. Par contre, la Caisse d'épargne et la Banque postale, effectivement, étaient assez, j'allais dire, assez agressives, entre guillemets. Et la Banque populaire, effectivement, nous avait aussi octroyé des prêts à des taux intéressants. Je ne reviens pas sur les taux, puisque nous avons des taux plutôt faibles, puisque les emprunts ont été faits à des moments où les taux étaient plutôt faibles, ce qui n'est plus le cas maintenant. Voilà. Vous avez la durée résiduelle, 13 ans, c'est la moyenne, bien évidemment. Voilà. Et en sachant que nous remboursons, vous l'avez vu tout à l'heure, 600 000 euros tous les ans de capital. Voilà. Il y a le détail, donc vous l'avez, je ne vais pas vous le commenter, c'est la même chose. Voilà. Voilà, j'ai consolidé effectivement tous les comptes, tous les budgets pour que vous ayez une vue du montant global du budget. Donc en section de fonctionnement, quand vous cumulez tous les budgets, nous sommes à un budget de 14 345 000. Et puis, plus il faut auquel ajouter la chaufferie bois, 180 000. Donc, nous sommes à 4 500 000. Quoi. 14 500 000 euros. D'accord. Et en section d'investissement, nous sommes à 8 845 000 plus 92 000, 9 millions. Quoi. Donc voilà, donc un total, tout confondu, investissement, fonctionnement, de 23 190 000 euros. Voilà, alors bon, il y aurait d'ailleurs quelques retraitements à faire, puisqu'il y a des machins. Enfin voilà, c'est pour vous donner une idée du montant des budgets de la collectivité de Bourg-Montlancy, tout budget confondu. 15 millions fonctionnement et 9 millions investissement. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que voilà, enfin, je pense avoir été assez complet sur la présentation des chiffres. Je te laisse faire les investissements en détail. Il n'y a pas de questions sur le... Rien ? On va tout faire. Non, c'est bon. Oui, merci. On va parler des investissements, puisque on a effectivement, on a aussi des investissements que nous aurions dû faire en 2023, donc où il y a des restes à reporter. Je vais parler des investissements nouveaux, puisque vous savez qu'on travaille sur
le Fleury, le site du Fleury, et on a lancé une étude de notice de gestion du site du Fleury, mais on a le plan d'interprétation du site du Fleury qui va voir le jour. D'ailleurs, il y aura une réunion qui est prévue pour vous présenter plusieurs dossiers à une commission voilà, élargie. Je vous donnerai les dates. Simplement, les dossiers qui nous animent aujourd'hui, c'est l'acquisition du terrain rue de Varennes, c'est l'acquisition du terrain du plan d'eau. Nous avons également mis une ligne pour le cimetière, puisqu'on a des désordres au niveau des colombariums qu'il faut tout reprendre suite à des mouvements de terrain. Et puis, on aura l'obligation d'ouvrir le cimetière sur le nouveau cimetière, puisque même si on a des tombes qui vont être relevées, mais à un moment donné, il faut qu'on travaille sur l'agrandissement du cimetière, même si nous avions commencé. Bien évidemment, il y a le pump track que nous avons vu tout à l'heure, le réseau des pistes cyclables, l'aménagement du centre-ville et au plan d'eau. On a une aire de service vélo basse nautique. Alors, tout ça, c'est des dossiers où on attend aussi des subventions. On a une aire de service vélo basse nautique, le local de la place d'Aligre qui va être acheté prochainement. C'est passé en conseil municipal, mais nous n'avons encore pas signé. Dans les écoles, il y aura des travaux qui seront prévus. Dans le multi-accueil, il y a aussi des travaux d'aménagement extérieur qui sont prévus avec des jeux en extérieur. On a aussi une obligation de mettre en adapter différents lieux pour l'accès handicapé. Nous avons aussi des travaux prévus par la commission de sécurité sur le système de désenfumage du complexe Marc-Gouttero. La chapelle de l'église du Sacré-Cœur remplacer le chauffage. On a aussi des travaux dans les logements. Alors ça, c'est récurrent, hein, puisqu'on a quand même un patrimoine locatif important, et chaque année, on s'engage à rénover, à installer des douches à la place des baignoires. Mais on met une enveloppe qui est certainement pas suffisante à ce jour, mais les colonnes montantes des bâtiments du logement rue de l'Égalité, donc vous savez, tous les ans, on en change. Enfin, il y a deux colonnes qui sont réparées, rénovées. Alors, un dossier aussi sur le toboggan à la base de loisirs, le toboggan aquatique, qui est quand même très prisé l'été et très utilisé par les familles. Et là, on a une obligation aussi de rénover toute la structure avec des peintures adéquates. Et donc, ça se fera cette année pour la rentrée, pour l'été 2024. La chaudière, alors, vous savez, les chaudières, je crois que pendant les deux mandats, on aura changé énormément de chaudières. La chaudière du boulodrome est obsolète, il va falloir la changer. Alors, la requalification du quartier thermal, on en a parlé, et on vous fera aussi une présentation sur le sujet prochainement. Donc, effectivement, on attend aussi les subventions, mais c'est un projet qui va voir le jour. La voirie, on met toujours une belle enveloppe pour la voirie, sachant que l'année 2023, on reporte des travaux qui n'ont pas pu être faits. Sur l'avenue du Fourneau, il y a un trottoir qui doit être refait, qui est refait d'ailleurs, là, qui vient d'être fait. Il y a la rue Saint-Nazaire et aussi sur la rue du Breuil. Au niveau des réfections des murs, alors on va en parler par la suite, mais il y a le mur du rempart qui est en train de se finaliser. Mais malgré tout, on a lissé sur le budget de 2023-2024. C'est quand même une enveloppe près de 90 000 euros. Alors, c'est fait à l'identique, hein, mais ce sont des murs qui nous appartiennent
et des murs de soutènement qui, avec le changement climatique, les pluies et la sécheresse, sont quand même très abîmés et on était obligé de procéder à une rénovation. On a aussi des problématiques de ponts, par exemple le pont du Petit Robinson, où il y a des désordres aussi que nous devrons revoir. Le pont rue de l'Égalité, bon, ça, c'est revoir les protections. Alors, forcément, il y a toujours des achats pour les services comme tondeuse, tracteur, mais bon, tondeuse, elles sont beaucoup optimisées et il y a besoin d'en changer au moins une. Ensuite, dans les gros investissements, je vais parler de la tribune que vous avez derrière vous, où effectivement, il y a des sièges qui commencent à donner des signes de fatigue. Donc là, c'est un gros dossier, c'est un gros budget, puisque c'est un budget de 216 000 euros. Voilà. Ensuite, voilà, on agit aussi sur tout ce qui est citerne pour mettre de l'eau de pluie. On va avoir 3 citernes, 2 qui vont être mis à l'espace du centre social de Joséphine Baker et 1 qui sera mis vers nos ateliers, vers le service environnement pour récupérer de l'eau pour pouvoir arroser. Donc il y a aussi des achats sur les aménagements qui auront lieu dans le parc de l'espace Joséphine Baker. Voilà, on a peut-être une borne musicale mélo pour les seniors, pour la maison partagée. On a mis aussi des imprévus, mais on attend aussi toutes les subventions adéquates par rapport à tous nos projets. Et Jean-Marc en a parlé, il y a la requalification du quartier thermal qui est importante aussi. Et puis le projet de réseau de chaleur, mais qui verra le jour ou pas, au vu de l'étude de faisabilité qui sera faite. Voilà, en quelques mots, les projets sur cette année 2024. Sachant que, effectivement, je ne parle pas ni de l'eau ni de l'assainissement, mais chaque année, il y a une enveloppe dédiée pour avancer sur ces réseaux qui sont indispensables à rénover. Voilà, si vous avez des questions sur les investissements, n'hésitez pas. Pas de questions ? La tribune de la salle c'est un remplacement total ou c'est... Il faudrait prendre le micro, Martine. Oui. Oui, c'est toute la structure qui est à remplacer. Bon, on sait que voilà, on a fait faire une visite aussi de sécurité sur le sujet. Ce serait nécessaire avant qu'il y ait des problèmes de la changer. Elle a combien d'années ? Une dizaine d'années, 13 ans. Oui, 2013, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans, oui. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que l'installation de cette tribune, moi je ne le savais pas, mais c'était un prototype. Et certainement qu'à l'époque, il y a eu un choix qui a été fait de dire, ça coûtait certainement moins cher. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce prototype. On utilise la salle, on l'optimise un maximum, donc pour les spectacles, mais pour les associations, pour le conseil municipal. Et on défait les tribunes, mais le plus ça va, le plus on a de difficultés pour refermer. Parce que c'est aussi. Pour nos agents, des efforts. La prochaine tribune sera quand même électrique, ce sera beaucoup plus facilitateur. Alors peut-être avec, parce qu'on a regardé ce qui se fait, ce sera peut-être encore des sièges un peu plus raides, si je puis dire, comme dans les salles de spectacle, mais qui sera beaucoup plus facile au niveau
de l'entretien et de l'utilisation, parce que là, on passe du temps et il faut être au moins deux ou trois pour refermer. Et donc, ça ne facilite pas le travail des agents. Voilà. Donc là aussi, c'est... Alors, la durée de vie, je ne sais plus, c'est au moins 15 ans, on nous a dit. Alors après, on pouvait aussi faire le choix de dire on fait une salle avec des sièges et on ne les bouge pas. Mais c'est quand même bien de pouvoir optimiser cette salle pour faire des réunions. Voilà, il y a aussi l'office du tourisme qui s'en sert pour accueillir. Elle est quand même beaucoup utilisée. Donc voilà. Donc Jean-Marc, on va procéder au vote du budget primitif. Voilà, donc au vu de ce budget principal et que vous a présenté Jean-Marc Brigaud et que je remercie pour son excellente présentation et sa pédagogie, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc nous allons voter le budget annexe avec TVA sur l'assainissement. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous allons voter le budget annexe avec TVA pour l'eau. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le vote du budget primitif pour les loyers avec TVA. J'ai rien dit. Mais c'est bien. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous allons voter le budget annexe avec TVA chaufferie-bois. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Et puis, le vote du budget annexe lotissement Sanna. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et donc, on a... Oui, j'ai fait voter tous les budgets. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, tu vas continuer, Jean-Marc, avec la subvention d'équilibre du budget principal. Subvention d'équilibre à voter, donc, que je vous ai exposé lors de la présentation des budgets. Hein. Donc, il y a la subvention d'équilibre du budget principal. Les subventions viennent toujours du budget principal, bien évidemment. Et là, c'est la subvention du budget principal au budget annexe TVA loyer de 50 000 euros. Donc, je vous ai expliqué que les engagements que nous avions sur ce budget-là, avec les engagements d'emprunt, l'autofinancement dégagé n'était pas suffisante pour assumer les obligations. Voilà, donc nous sommes obligés de verser une subvention d'équilibre de 50 000 euros. Bien. Des abstentions, merci à vous. Nous allons continuer avec versement pour le budget principal, le budget annexe voilà. Avec TVA. Alors c'est une subvention. Alors c'est pas une subvention, là c'est une avance, hein, oui. Puisque c'est une avance remboursable que, sans intérêt, qui sera remboursée lors de la cession des terrains qui auront été lotis. Voilà, mais il faut bien effectivement financer la période de lotissement, si je puis dire, et plutôt que de faire appel à un organisme bancaire, ce qui aurait été aussi possible. Donc nous avons effectivement les possibilités avec la trésorerie du budget général de faire une avance de 200 000 euros. Voilà, donc nous vous demandons effectivement de décider de cette avance. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, les taux d'imposition de l'année 2024. Alors, c'est rapide, puisque maintien des taux
au montant de 2023. Je les rappelle, la taxe foncière sur les propriétés bâties 41,50, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 59,47 et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 22,92. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Maintenant, on va passer à la subvention de l'Office du tourisme. Oui. Alors, comme chaque année, donc, la subvention elle est votée globalement lors du vote des budgets. Mais nous avions effectivement déjà voté une avance de 50 000 euros lors d'un précédent conseil en début d'année 2024 pour leur permettre de faire face à leurs dépenses récurrentes mensuelles, en particulier les salaires. Voilà. Donc, nous avons budgété une subvention en 2024 à hauteur de 135 000 euros, qui est à l'identique de celle de 2023 et qui a été prise en compte d'ailleurs à hauteur de ce montant-là dans le budget qui nous a été présenté par l'Office de tourisme et du thermalisme. Donc 135 000 euros qui viendront effectivement être amputés des 50 000 déjà versés en début d'année. Voilà donc. Nous... Oui. Oui, alors oui, je voulais en parler en questions diverses, mais il n'y a pas de souci. Effectivement, suite à la démission de Didier Monsu comme président, le bureau avec les vice-présidents se sont réunis pour, puisque Didier Monsu avait donné toute délégation au vice-président pour continuer en attendant de l'élection d'un président. Donc, le président vient d'être élu en la personne de Pascal Sœur. Alors, Alexis Meyer est parti en tant que directeur de l'Office du tourisme, mais voilà, il est parti, oui, à ce jour. Donc, aujourd'hui, il y a une candidature qui a été déposée. Donc, il y a eu plusieurs candidats qui ont postulé pour le poste de directeur. Et il y aura un choix qui va être fait prochainement pour retenir une personne qui sera directrice ou directeur de l'Office du tourisme. Voilà. Enfin, je pense que Martine, qui fait partie de l'Office du tourisme, a dû vous donner des éléments et qu'aujourd'hui, effectivement, tout continue et on est très heureux aussi qu'il y ait un nouveau président et on est dans l'attente, effectivement, du choix de la directrice ou du directeur pour remplacer Alexis Meyer. Alors, effectivement, il y a un temps de latence, mais il y a quand même un personnel très compétent à ce jour à l'Office du tourisme qui connaît depuis des années le fonctionnement. La saison est ouverte. Voilà, on a du personnel aussi qui est là pour assumer forcément l'attente d'un directeur. C'est ce que je peux dire. Que le départ d'Alexis Meyer ne va pas occasionner une augmentation des subventions allouées à l'Office du tourisme. Pour nous, non. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas été sollicité non plus par le président de l'Office du tourisme, mais on aura une assemblée générale prochainement. Pour nous, on n'a pas envisagé une augmentation de la subvention de l'Office du tourisme. Après, il y a des recettes aujourd'hui et je ne sais pas, vous l'avez pas, qui arrivent à l'Office du tourisme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tous les spectacles aujourd'hui, il y a effectivement, suite à la convention qu'on a faite avec l'Office du tourisme, eh bien, il y a une part qui revient
Mais je donnerai les éléments, je pense, à l'Assemblée générale de l'Office du tourisme, parce que oui, c'est un plus. À chaque spectacle, ben voilà, il y a une petite part qui revient à l'Office du tourisme. Ensuite, je pense qu'ils vont aussi peuvent développer peut-être les adhésions. Enfin, il y a aussi tout un travail, et je pense avec le nouveau directeur ou la nouvelle directrice, de reprendre, rencontrer les différents acteurs, peut-être faire des adhésions, vendre des produits. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi l'enjeu de l'Office de tourisme, alors pas de s'auto-financer, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, mais de participer aussi au financement de cet Office du tourisme. Oui, parce que la crainte qui avait été exprimée, et puis qu'on pouvait effectivement, légitimement exprimer aussi, c'était de savoir si la rémunération du nouveau directeur allait être à la hauteur de celle de l'ancien, entre guillemets, puisque effectivement, ce sont des postes qui sont peut-être cherchés, mais enfin, où il n'y a pas tellement quand même de candidats. Voilà, donc à combien ils se monnaient, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est ce que disait Mme Guignot, ça avait été évoqué en conseil, hein. Il avait été dit effectivement que c'était aussi à l'Office du tourisme à aller chercher des ressources supplémentaires pour financer un surcoût éventuel du directeur. Après, on ne sait pas, pour l'instant, il n'est pas embauché. Hein. Oui, oui. Mais c'était le risque, il était là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être, mais on en discutera plus tard, mais l'enjeu du nouveau directeur, c'est aussi de, pas faire la preuve, mais il faut aussi qu'il envisage de ramener aussi des recettes à l'Office de tourisme. Voilà, mais on verra, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a eu... effectivement, pas une inquiétude, mais un sujet sur la rémunération. Je sais qu'il y a eu aussi par rapport au comptable une demande de quelle somme on pouvait allouer pour le salaire. Je sais que le président a fait cette démarche-là. Après, voilà. Mais je pense qu'on verra les choses. Ouais. Très bien. Donc, alors. J'ai pas délibéré, je pense, sur le... Comment ? Non. Donc, par rapport à la subvention pour l'Office du tourisme et du thermalisme, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Le CCAS, Jean-Marc ? Oui. Donc, subvention de fonctionnement du CCAS, donc je ne vais pas faire rappeler ce qu'est le CCAS, hein, mais c'est un établissement public administratif qui, effectivement, qui est déconnecté de la collectivité et qui a un rôle, effectivement, d'action sociale. Hein. Nous proposons, effectivement, le versement d'une subvention pour financer toutes ces actions, hein, qui sont retracées dans les budgets du CCAS, hein, qui nous sont communiqués au niveau de la collectivité. Donc à hauteur de 45 000 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de l'évocation des budgets. Oui, simplement, Martine, pour revenir au vote, oui, effectivement, au niveau de l'Office du tourisme, il aurait fallu que je te fasse sortir par rapport... Voilà, parce que tu fais partie du bureau. Donc Martine est sortie. Et voilà, donc si vous en êtes d'accord. Oui, oui, non, mais c'est ça. Oui. Mais oui. Après, voilà, je savais aussi que, bon, je pense qu'aujourd'hui, Martine fait partie du bureau. Voilà, il y a une parfaite collaboration sur le travail qui est fait. Mais je pense que vous étiez au courant. Mais effectivement, aujourd'hui, on se doit de... Non, mais voilà, après on n'a rien à cacher sur l'Office du tourisme. Hein. C'est surtout pour qu'on construise ensemble une dynamique avec tous nos acteurs. Voilà. Mais merci, Martine. Alors, le CSAS, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Oui, ah pardon, ben voilà, il faut. Je voulais juste faire remarquer, comme je l'ai fait remarquer lors de la réunion, quoi. On a diminué, on perd énormément, 77 000, 70 000, 50 000, nous voilà 45 000. Enfin, oui, voilà. Mais il n'y avait pas le même effectif salarié. Hein.
Comment ? La baisse des émissions des subventions, oui, est intervenue quand il y a eu le départ à la retraite de, je ne sais plus son prénom, et de son Guy nom, Forêt, entre guillemets. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc il y avait des comptes de fonctionnement qui et étaient Françoise, de toute évidence inférieure. Oui. D'accord, on ne fait pas c'est moins de social. C'est ça la différence. En fait. On ne fait pas moins de social. Non. Comment ? On ne fait pas moins de social. Ah ben non, complètement. Non. Oui, voilà. Alors, moi, ce que je veux dire, parce que par rapport à Marie-Odile, effectivement... aujourd'hui, on a perdu des compétences puisque ces compétences ont été reprises par le Centre intercommunal d'action sociale. Toutefois, on ne fait pas moins de social parce qu'il y a quand même des familles en grande difficulté. Alors, elles viennent chez nous, on les oriente au CIAS quand ça relève du CIAS. On fait quand même le lien et on a quand même aussi beaucoup de liens aussi avec notre centre social, puisqu'on travaille quand même sur les familles avec le centre social. Donc voilà, on ne fait pas moins de social, et je dois dire que même au niveau tout ce qui est violence intrafamiliale, on le travaille ensemble avec le centre social et le CCAS. Hein. Toujours les personnes, il y a des problématiques dans les populations, les personnels travaillent ensemble, et ce que moi je demandais aussi, et en lien avec Michel Courtial, puisqu'elle a cette délégation, et je vous avoue que Michel Courtial est très occupé sur le sujet et on essaie d'accompagner du mieux possible. Mais il n'y a plus besoin d'avoir autant de personnel pour pouvoir gérer ce qu'on a à gérer. Mais on suit beaucoup la population et on oriente. Aussi, ce qui est important aussi, c'est la Maison France Service, avec qui ils accueillent aussi beaucoup de monde, et on les renvoie aussi au CIAS, parce que oui, il y a de la détresse, mais la Maison France Service répond beaucoup à l'attente de la population, et ces personnes-là souvent venaient au CCAS, sauf que la Maison France Service a pris des compétences sociales, hein, sociétales, qui correspondent aussi à des personnes en précarité. Donc ça, c'est important. Donc on va voter pour le CCAS. Oui, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors je vais laisser la parole à Philippe Paco, qui va nous parler des subventions. Subventions aux associations. Comme l'a dit Jean-Marc, en subvention de fonctionnement, nous n'avons rien changé par rapport à l'année dernière, donc c'est peut-être pas la peine de faire un point dessus. Sauf que les associations à qui on avait donné une subvention de démarrage l'année dernière, on a trouvé juste de leur laisser aussi en subvention exceptionnelle cette année. Nous avons juste une subvention de démarrage cette année d'une nouvelle association qui est un Instant Classique de Saône-et-Loire. C'est la nouvelle association bourbonienne en charge de l'organisation des stages musicaux de d'ODECA. Moi, je voudrais juste dire quand même qu'il y a des associations qui estiment ne pas avoir besoin de subvention parce qu'elles ont un peu d'argent, et moi, je leur en remercie de jouer le jeu. La plupart des associations, d'ailleurs, sont relativement assez, justes dans leurs demandes. Donc, il n'y a pas de truc exceptionnel. Donc, plutôt faire un point sur les subventions exceptionnelles. Donc, la PPMA, donc ça, c'est la section pêche, concours, il y a 800 euros pour l'organisation de stages de pêche cet été pour les enfants de 8 à 12 ans. Nous avons l'amicale des donneurs de sang, 200 euros pour des actions de sensibilisation du don du sang en direction des écoliers et des jeunes sapeurs-pompiers. L'amicale laïque, par rapport à la section canot-kayak, mais on est en attente de devis, donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il y a SFPT, course à pied, 500 euros pour la bourbonienne, comme tous les ans. Alors là, il y a les amis de la pétanque, donc 4 000 euros répartis entre 2 000 euros pour le supranational qui va avoir lieu au mois de mai, il me semble. Les 1 000 euros de national féminin, les 1 000 euros de national triplette et 1 000 euros pour l'équipe évoluant en élite. La SFPT judo, 500 euros pour l'animation de découverte de judo proposée aux enfants du centre de loisirs. L'Astro Club, 1 200 euros pour l'organisation du premier festival d'astronomie qui aura lieu le 28 juin à destination des scolaires et le samedi 29 juin au tout public. BCSO, c'est Bourbonnais Cyclisme Sport Organisation, 3 000 euros pour l'organisation de la course cycliste, la classique des Bourbons, comme tous les ans. Le club badminton, 1 000 euros pour l'organisation d'un tournoi national en octobre.
Club Patrimoine et Archéologie, la demande de subvention exceptionnelle était mise en attente pour plus d'infos parce qu'ils veulent faire un livre, donc on attendait de savoir à peu près combien coûtait le livre, combien ils voulaient en faire, donc ça c'est en attente, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Le comité de jumelage Bourbon-Lancy-Sarvenin Gunstorhof, 2000 euros pour la participation aux frais liés aux différentes rencontres de nos amis allemands et tchèques. Comité des fêtes de Saint-Denis, 500 euros pour l'organisation de la fête de Saint-Denis en octobre. Comité des fêtes de la ville, 2000 euros répartis entre trois manifestations, fête de Pentecôte, fête du 14 juillet et marché de Noël. Le COS du personnel municipal, 1000 euros pour l'organisation d'un voyage. Et il me semble que j'ai oublié les... j'ai oublié les pompiers. Ou alors c'est après. Ah, c'est après. Course, pour la course, les fourmis, 200 euros pour l'organisation de la course des enfants le 25 mai. ECB, 1500 euros pour la course cycliste, le tour de la communauté de communes 19 et 21 avril. Instant classique de Saône-et-Loire, donc la nouvelle association pour Odécote, 1000 euros pour l'organisation d'un concert lors du stage d'août. Les arts en Bourbonnie, 3400 euros pour l'organisation des stages de mai et juillet, plus 1000 euros pour l'organisation d'un concert en juillet. Ou la location du piano, on n'a encore pas décidé. Plus la participation de 100 euros par l'élève bourbonien à hauteur de 1000 euros lors du stage musical du 24 juillet. Passion mouche, 800 euros pour la vidange du réservoir, la pose de deux bouées de sauvetage et la participation à un stage de secourisme. Donc les bouées de sauvetage se promettent dans leur local extérieur qui est ouvert à tout le monde. La section jeunes sapeurs-pompiers, 3000 euros pour l'organisation le 6 avril du rassemblement technique départemental des jeunes sapeurs-pompiers et le 40e anniversaire de la section jeunes sapeurs-pompiers de Bourbon-Lancy. Donc je pense que Edith en parlera peut-être en fin de conseil. Tennis de table, 300 euros pour l'achat d'équipements d'arbitrage pour les tournois régionaux. TBS 71, 650 euros pour le bike and run et le volley, le club volley, nouveau club. Qui a quitté la Micalique, 1400 euros pour l'achat de matériel, poteaux, filets et ballons. Donc il est rappelé que les subventions exceptionnelles ne sont versées qu'après réalisation des manifestations. Et après, nous avons les subventions d'aide à l'emploi. Donc la chorale du Beffroi, 2250 euros pour le chef de chœur, c'est comme ça on l'appelle. Le club nautique, 2000 euros, normalement en attente pour la personne qui va s'occuper du club cet été. La Société Philharmonique, 61 595, c'est-à-dire c'est la subvention pour Davidé. Tennis Club, 2000 euros, c'est pareil, c'est pour l'entraîneur qui intervient dans les écoles aussi. Et le rugby, 3500 euros. Voilà. À savoir que ça fait une petite somme de plus de 260 000 euros, si je peux me permettre, Jean-Marc, et que je pense que c'est pas mal pour Bourbon-Lancy. Un peu plus de 2060 euros. 260 000 euros, pardon. Oh là, je suis un peu perdu dans les chiffres. Ouais. Je n'ai pas l'habitude des gros chiffres comme ça. Je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Une délibération unique pour l'octroi de subventions allant de 100 euros à 100 000 euros ne me semble pas judicieuse. Les éléments complémentaires que M. Paco nous a donnés sont très intéressants et sont très crédibles. Mais lorsqu'on voit à l'extrême les subventions de 10 000 euros, tant pour le rugby, ça semble justifié. On connaît la valeur du rugby, sa valeur éducative et ce que ça apporte à la cité. En revanche, la même subvention de 10 000 euros pour l'association de réhabilitation du centre-ville, là, on ne voit pas trop, si vous voulez, la finalité. Donc, pour cette association-là, je souhaiterais qu'à l'avenir, on nous donne des précisions. Alors, si on est... Oui. Je pense que c'est pas pour ça qu'on va pas voter cette délibération, mais je vous enverrai, Madame le maire, un courrier particulier en vous demandant des détails sur cette subvention, sur son utilisation et sur les, si vous voulez, les résultats de l'Assemblée générale. On est dans l'ignorance totale concernant cette association. Merci. Alors, oui, j'entends Monsieur Charmansat, sauf que je sais que tous les ans,
on fait un rapport sur l'association, effectivement, sur la boutique. Alors, qui est présenté à l'Assemblée générale. Oui, voilà. Ça a été présenté. Voilà, les comptes de la présidente. Oui. Ouais, ça a été fait. Présenté, ouais. Hein, déjà. Ouais. Mais chaque année, hein, chaque année, on le présente. Oui. Non. On le présente en conseil. Il a été présenté, ouais. Enfin, ouais. On vous remettra. Mais avec un décalage, oui. C'est sûr. Non, mais ouais. Simplement, Monsieur Charmensa, on vous redira la dernière fois. On sait que pour 2024, on vous présentera aussi, mais je sais qu'en 2023, alors je vois pas le temps passer et je peux pas vous dire la date exacte, mais ça a été présenté en conseil municipal parce que vous l'aviez aussi demandé, et ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc ensuite, vous savez, pour les plus grosses subventions, on a une convention d'objectifs et de moyens qui cadre aussi les choses, parce que là aussi, il faut qu'on ait des engagements de l'association. Et alors, des résultats, on ne va pas vous demander des résultats forcément à la Société Philharmonique ou au rugby. Voilà, mais on sait qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est de l'éducatif. C'est aussi... je pense qu'on est très heureux aussi d'avoir ces associations qui interviennent auprès de la jeunesse. Mais il n'y a pas de souci. Et je m'engage à vous écrire rapidement pour vous dire quand est-ce qu'on a fait la présentation, la dernière présentation. Voilà. Y a-t-il des oppositions ? Alors, je ne sais même plus où on en est. Des oppositions pour le vote des subventions. Comment ? Oui ? Oui, non, mais c'est ça. Oui, tout à fait, pour les subventions. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. Donc, je vous remercie. Alors, ensuite, c'est sur le... Comité des fêtes de Saint-Denis. Tu l'as évoqué. J'en ai parlé, oui. Mais bon, on n'a pas... Il faut qu'on vote, donc il faut qu'Annie sorte ou pas ? Oui, Annie, tu dois sortir parce que tu fais. C'est juste pour ça, c'est ouais, parce que voilà. On n'a pas Philippe n'a pas présenté toutes les subventions. Oui, j'ai tout présenté d'un seul coup. Mais alors pourquoi ? Oui, on est obligé de les voter indépendamment puisqu'on a des membres du conseil municipal qui font partie de l'exécutif des associations. Donc comité des fêtes, comme j'ai dit tout à l'heure, 500 euros pour l'organisation. De manifestation. Du quartier de Saint-Denis. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Vous pouvez dire à Annie de revenir. Sur le... Clotilde va la remplacer. Le club nautique, donc... Attendre qu'Annie revienne quand même. Oui. Club nautique, comme tous les ans, aide à l'emploi, c'est la seule subvention qu'il demande, c'est 2000 euros. Donc on va attendre que... Annie revienne. Oui, parce que là. À moins qu'elle soit en train de discuter. On attend. Hein. Si. Voilà. Donc, nous allons voter effectivement la subvention à l'association du club nautique pour une somme de 2000 euros. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. On va continuer avec une subvention de sponsoring. On rappelle Clotilde, peut-être ? Oui. Comme tous les ans, subvention de sponsoring à l'encontre d'Alexandre Martin, hein, qui est sportif de haut niveau, qui pratique le VTT. Donc la subvention n'a pas changé par rapport aux autres années. On propose 300 euros. Voilà. Effectivement, Alexandre Martin porte la ville de Bourbon-Lancy dans tous ces étapes. Et alors, tu avais des éléments, Philippe, sur ces derniers. Je m'excuse, mais j'ai pas le temps d'aller en chercher. Je sais pas. si c'est le temps. Non, j'ai pas le temps. Mais voilà. Oui. Bon, je sais pas. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, je vous remercie.
Alors oui, alors ma DGS me donne une information. On a passé effectivement le bilan de la boutique avec une explication effectivement de Jean-Marc Brigaud au conseil de décembre. Et vous devez le retrouver dans le compte rendu. Merci. Donc Michel. Donc, comme chaque année, nous vous demandons d'octroyer une subvention au PEP 71, qui est une association avec une antenne sur Mâcon, Chalon et Paray-le-Monial. Cette association propose des actions en faveur des personnes en situation de handicap et accompagne donc ce public, enfants, jeunes, adultes et familles qui sont touchés par cette problématique. Donc, leur mission est de permettre l'égal accès aux droits essentiels, éducation, santé, insertion professionnelle et loisirs. Donc, autoriser Madame la maire à attribuer une subvention de 150 euros aidera à améliorer le parcours de vie de ces personnes en difficulté. Ils sont intervenus plusieurs fois dans le cadre d'animation du centre social. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, ces subventions pour la Ligue contre le cancer, donc pareil, chaque année, nous demandons aussi d'octroyer une subvention à la Ligue. Cette association, loi 1901, a été créée en 1918. Elle est reconnue d'utilité publique, reposant surtout sur la générosité de tous. Donc, c'est sûr, son but est de promouvoir, prévenir, dépister le cancer, accompagner les malades et leurs proches, faire avancer la recherche contre le cancer. Grâce à une bonne prévention et à des actions de promotion de la santé, nous pouvons agir au quotidien. Aussi, autoriser Madame la maire à donner une subvention de 200 euros à la Ligue contre le cancer, c'est œuvrer pour le mieux-être de tous. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Comme chaque année... Ah oui, ou encore une subvention. Si non, moi j'étais... Donc, association Les Papillons Blancs, Bourgogne-Sud, comme les deux autres associations, chaque année nous donnons une subvention. Donc, Les Papillons Blancs, association loi 1901, au soutien au handicap mental, dont le siège social est à Paray-le-Monial. Cette association accompagne enfants, adultes et proches. La personne accueillie a un accompagnement individualisé et orienté vers son épanouissement et son autonomie afin de permettre son inclusion. Donc, il y a différents pôles au niveau de l'association, au niveau de l'enfance, des services, du travail, l'hébergement. Et permettre à Madame la maire à verser une subvention de 350 euros peut aider cette association et indirectement nos familles bourboniennes qui sont impactées. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va passer au point 22, donc sur le comité d'organisation du concours de résistance et de déportation de Saône-et-Loire. Le thème pour 2024, c'est résister à la déportation en France et en Europe. On sait que C'est important de rappeler ce qui s'est passé par cette effroyable barbarie et des camps nazis. Donc, c'est important aussi de pouvoir soutenir cette organisation qui permet aussi aux jeunes de s'engager et de pouvoir postuler à ce concours de la résistance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, une subvention aussi que nous versons à l'Association des conciliateurs de justice de la Cour d'appel de Dijon. C'est une subvention de 100 euros, ce qui nous permettait jusqu'à ce jour d'avoir une personne référente qui venait chaque mois pour des problématiques de tout genre hein, dans notre population, mais aussi des environs. Et la personne... n'est plus
n'est plus en activité sur ce sujet puisqu'il a une autre fonction et ces deux fonctions ne sont pas compatibles. Donc, alors on va verser, ce que je vous propose, c'est qu'on va verser cette subvention et qu'on va relancer l'association pour nous permettre d'avoir quelqu'un qui viendrait une fois par mois. On sait qu'il y a quelqu'un qui vient sur Guignon, mais bon, je crois que les problématiques aujourd'hui dans nos populations sont nombreuses et que effectivement il n'y a pas suffisamment de personnes habilitées pour répondre sur le sujet. Mais je vous propose qu'on refasse un courrier, qu'on les resollicite pour qu'ils puissent venir sur notre territoire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, comme chaque année, vous savez que nous avons des cotisations et des adhésions auxquelles on se doit de répondre. Vous avez eu la liste et je ne vais pas la reprendre. S'il y a effectivement un questionnement sur cette liste, enfin, en général, on reprend à peu près les mêmes. Entre autres, bon, il y a l'Arnia qui est une adhésion au territoire numérique hein, qui est, sur lequel on ne peut pas se passer aujourd'hui puisque tous les services de dématérialisation passent par l'Arnia qui est un organisme de Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est quand même une somme importante. Il y a aussi l'agence technique départementale qui c'est une cotisation importante mais qui nous a déjà accompagnés, qui nous accompagne sur des futurs projets, par exemple le centre social. Il nous avait fait l'étude préalable pour pouvoir savoir un petit peu où on allait. Donc, c'est quand même une aide précieuse. Et puis après, dans les plus grosses sommes, il y a l'association des maires de Saône-et-Loire. Il y a la Fédération française des stations vertes. Il y a les sites clinusiens. Il y a aussi, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, on adhère. Alors ça pourrait être l'Office du tourisme qui pourrait adhérer, mais sauf que il faudra donner une subvention plus importante. Donc c'est la commune qui adhère en lien avec l'Office du tourisme. On a une obligation, par exemple, le Centre français d'exploitation des droits de copie. Aujourd'hui, si on fait une copie d'un journal, on doit être déclaré et on doit payer une certaine somme. Donc, tout est facturé aujourd'hui. Hein. Si vous avez des questions sur des associations ou des cotisations, n'hésitez pas. Parmi les quatre nouvelles, il y a 16 000. C'est quoi ? 16 000, oui. Ça concerne une association... un organisme sur l'art contemporain. Donc on a adhéré l'année dernière parce qu'on avait rattrapé le... Et en plus, si vous voulez, ils font une communication. Je crois qu'on l'a passé aussi en décembre. Ils font une communication très intéressante sur les expositions qui sont faites, entre autres, au musée Saint-Nazaire. Et d'ailleurs, il parle aussi de Bourbon-Lancy. Alors, c'est 30 euros, c'est modique, hein, mais c'est intéressant au niveau de la communication qui est faite par rapport aux expos, mais l'art contemporain en général. Et vous aviez d'autres cotisations que vous ne... Non ? Oui, c'est vrai que 16 000, ça ne parle pas forcément, hein. Voilà. D'accord. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, Muriel a été obligée de partir, on va reparler des crédits d'animation dans les écoles maternelles et élémentaires. Hein, simplement pour vous dire que le montant, c'est 22 euros maximum par écolier. On ne change rien de spécial sur le sujet. Il faut prendre une délibération. Et c'est une subvention qui s'appelle crédit d'animation. Donc, ça aide les écoles à faire plein de choses avec cette subvention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Ensuite, alors on a deux dossiers sur des subventions au titre des vitrines. Donc on a la société, la SCI Cavidro, qui a déposé un dossier pour faire des rénovations. Et effectivement, le montant des travaux est de 11 342,84 €. Et la subvention qui pourra leur être attribuée si tout correspond et si les travaux se font dans, comme le dossier nous a été présenté, ce sera une subvention de 5 671 €. Voilà. Ensuite, bon, voilà, il faut qu'on délibère à chaque dossier. Y a-t-il des questions ? Ou s'il n'y a pas de questions, on va délibérer. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Une autre demande de subvention au titre du programme rénovation de façade, cette fois-ci, c'est l'hôtel de la Tourelle qui a envisagé de relooker sa façade. Donc le montant des travaux, c'est 12 334 € et la subvention possible, c'est 3 083 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Je laisse la place à Jean-Marc Brigaud qui va nous parler des admissions en valeur. Voilà. Donc, quand des créances nous sont proposées en admission en valeur, donc c'était un vote du conseil municipal. Voilà. Mais afin avec les nouvelles règles, afin de faciliter, j'allais dire, l'admission en valeur des créances de faible montant, le conseil municipal peut déléguer, en fin de compte, cette compétence directement au maire de la collectivité. Avec un seuil, par contre, pour pas que ce soit trop élevé. Et le seuil qui est défini, il ne peut pas être supérieur à un plafond de 100 €. C'est-à-dire par ligne de créance. Hein. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la créance qui serait à admettre en valeur serait supérieure à 100 €, la délégation qui serait accordée à Madame la maire éventuellement ne serait pas d'actualité. C'est uniquement 100 € maximum. Voilà. Donc ça facilite quand même les choses et ça évite, j'allais dire, de proposer des délibérations pour des montants relativement faibles. Donc c'est pour ça que nous vous proposons de déléguer à Madame la maire l'admission en valeur des créances qui ne serait pas supérieure à 100 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Alors, le point 29, donc nous devons délibérer sur le principe de la concession du service public concernant notre centre de remise en forme pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2025. Voilà, donc on doit lancer la procédure, conduire la procédure et ensuite, voilà, il faudra aussi approuver les orientations principales et les caractéristiques de la délégation telles que décrites, vous avez eu dans le rapport et qui, effectivement, seront précisées et lors de la consultation des entreprises. Alors, bien évidemment, qu'il y aura le dossier de consultation des entreprises qui sera publié sur la plateforme dématérialisée, où on a vu qu'on donnait une belle somme par rapport à la cotisation. Et voilà, donc on est dans les temps, parce qu'il y a quand même un planning très particulier pour aller jusqu'au 1er janvier 2025. Et voilà, les choses sont lancées. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, je vous remercie. L'annexe qu'on a à lire, là, il y a marqué « Compte tenu des investissements demandés dans le cadre du contrat », donc la durée de la concession est de 12 ans à cause de ça. Et alors, c'est quoi enfin, investissements demandés, ouais, c'est quel Pour l'instant, si vous voulez, on ne sait pas quel investissement, par exemple. Voilà. On ne sait pas d'abord qui va le futur concession. Ensuite, si vous voulez, pourquoi on met 12 ans ? Parce que si une société répond, il a besoin du temps aussi s'il veut faire des investissements à l'intérieur de Celto. Si, je ne sais pas quel sera le projet de
de la société qui va répondre, mais la société qui va répondre peut avoir des projets, des suggestions, donc il faudra aussi qu'on valide. Et effectivement, aujourd'hui... Avant, c'était 6 ans, je veux dire, et là, on oui, passe à alors 12. On a fait 6 ans parce que, effectivement, c'était très court, 6 ans. Pour une société qui veut investir, il faut quand même qu'il puisse avoir une durée suffisante pour investir suffisamment. Donc, et c'est aussi pour trouver un partenaire, parce que voilà, si on peut trouver personne pour 6 ans, c'est comme un mandat. Enfin voilà, vous faites pas beaucoup de choses en 6 ans, donc le temps de lancer les choses et surtout l'engagement de l'entreprise ou la société qui reprendra financière sur un projet. Mais c'est pour donner plus de latitude à une société qui a envie de faire bouger les choses. Après, c'est un engagement financier en investissement qui est fait par la société qui sera retenue. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, je vous remercie. Alors, on va vous proposer une convention de partenariat entre la ville de Bourbon-Lancy et l'entreprise Granit Manzini. Aujourd'hui, effectivement, on travaille avec l'entreprise Manzini régulièrement, puisque quelque part, il est seul à Bourbon-Lancy, la clientèle qu'il a est importante et on a aussi, on lui demande de faire de relever des tombes. Et par exemple, sur l'année 2000, presque chaque année, on relève 20 tombes. Alors, il y a tout un travail qui est fait avec notre service de l'état civil, parce qu'il y a des procédures, il y a beaucoup de choses à faire pour être dans la légalité. Et on a ces tombes. Alors, elles peuvent être en différents matériaux, mais quelque part, il peut aussi... Jusqu'à présent, on n'avait pas de convention et on mettait toutes ces pierres un côté du cimetière, mais il peut aussi les réutiliser. Et donc, pour que les choses soient réglementaires, on lui propose que lorsqu'il veut récupérer, on a tout un travail qui se fait avec notre service, les photos sont prises de chaque tombe qui doivent être relevées. Nous, on propose, enfin moi, je vais proposer à mes services de garder les tombes qui étaient, enfin toutes les pierres de Bourgogne, parce que quelque part, on peut s'en servir pour faire des bancs. D'ailleurs, on a fait un banc dans le cimetière. On peut les réutiliser, voilà. Et toutes les tombes que Monsieur Manzini voudra récupérer, on lui demande une participation de 200 euros. Et pour faire relever une tombe, c'est plus de 600 euros. Donc ça coûte très cher aussi. Donc voilà, donc on va pas non plus. Alors après, si on a trop de pierres, on peut aussi les vendre. Je suppose qu'il y a aussi un marché là-dessus. Mais voilà, on va commencer comme ça. Et donc tout est. Moi, j'ai demandé à mes services que ça soit tout archivé, qu'on ait les photographies, enfin, qu'il y ait de quoi d'avoir une vraie transparence pour pouvoir avancer sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Bon, écoutez, on va délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Alors oui, donc ça c'était Muriel. Sur la convention de refacturation à l'éducation nationale des frais de formation PSC1. L'éducation nationale nous a interpellés, une école nous a interpellés sur le fait qu'ils avaient un jeune en service civique et ils demandaient à ce qu'ils puissent avoir la formation de PSC1. Nous, on fait faire des formations régulières sur le PSC1. Et c'est les pompiers de Saône-et-Loire qui font la formation et ça nous coûte 30 euros par personne. Donc moi, je vous propose qu'on signe une convention avec l'éducation nationale et qu'on puisse leur facturer cette formation, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on prenne tout en charge.
Est-ce que vous en êtes d'accord? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, un partenariat. Vous savez que l'atelier vélo est réouvert. On a toujours les deux mêmes personnes. Aujourd'hui, c'est Eric Barrière qui a repris le management, si je puis dire, l'accompagnement, puisqu'il est revenu effectivement au sein des équipes de Bourbon-Lancy. Et on est... on vous fera un point parce que sur les ventes, les locations, donc il faut qu'on relance aussi les locations avec l'Office du tourisme. Mais bon, la période est pas tout à fait adaptée pour louer beaucoup de vélos en ce moment. Et on a des demandes sur du petit matériel. Donc moi, j'ai rencontré Decathlon qui va pas nous faire un dépôt-vente, mais il va nous faire effectivement une remise sur les achats que nous allons faire. Alors nous, on pensait des casques, parce que par exemple, on vend des vélos d'occasion pour les enfants. On nous demande le casque. Alors après, c'est compliqué parce qu'il faut vous renvoyer les gens à Moulin acheter le casque. Donc on aura un petit peu de matériel comme ça, casque, du petit matériel. Donc la rencontre a été plutôt sympathique. Il nous a proposé, ils peuvent venir aussi faire une formation à nos personnels qui sont là s'il y a besoin. Enfin voilà, ça pourrait être une fois de temps en temps. C'est plutôt intéressant. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on va délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, en préambule du conseil municipal, je vous ai parlé de rajouter un point à l'ordre du jour concernant le salon du livre. Effectivement, donc, ce salon du livre va avoir lieu ce week-end. L'inauguration est le 5, c'est-à-dire demain soir, à 18h. Donc, venez nombreux, parce que c'est toujours intéressant. Enfin, vous pouvez y aller le week-end aussi. Hein. Mais, effectivement... Déjà l'année dernière, on avait voté une subvention de 500 euros parce que c'est une grosse organisation aussi pour l'association LACMÉ. Mais ça apporte... Alors, on a changé la date. Hein. La date est plutôt dans l'année, en espérant qu'il y aura plus de monde. Mais il y a vraiment des... Pour les collectionneurs, et je sais que Marcel vient régulièrement visiter ces expos, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont très intéressés. Et j'ai appris que prochainement, il y aura le premier salon du livre aussi à Paray-le-Monial dans 15 jours ou 3 semaines. Enfin, voilà. Ils ont beaucoup, je pense qu'ils font venir des professionnels. Alors, il y a des professionnels qui viennent quand même. Je pense qu'il y a des frais de transport. On les avait rencontrés au départ. Ils ont du mal aussi à faire vivre leur association. Donc voilà, mais tu pourras les questionner. Parce que non, mais c'est intéressant parce que nous, on a au départ quand on a lancé ça. Il n'y avait pas de demande de subvention et aujourd'hui ils ont de la publicité, ils ont de la communication. Je ne sais pas, moi, les personnes qui viennent, je ne sais pas s'ils font payer comme vous les exposants, j'en sais rien. Je ne sais pas, ça mériterait qu'on puisse. Oui. Mais voilà. Mais c'est à questionner. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on arrive à la fin de notre conseil municipal. Simplement vous dire, rendre hommage effectivement à toutes les familles et adresser nos sincères condoléances au nom du conseil municipal. Donc, Monsieur Daniel Tascon, Clotilde Giraud, Jeanne Mosulski, Paulette Leclerc, Antonin Bernardin, Anastasia Anquet, Roger Bassler, Roger Dupérier,
Alain Néant, Marie-Claude Michel, Claudette Monteré, Santa Mangin, François Lefort et notre médecin Laurent Ventier. Voilà. Donc on adresse nos très sincères condoléances. Alors justement, comme on termine sur le décès de Laurent Ventier, moi je voulais vous faire un point sur la situation, puisque effectivement on avait été informé que le docteur Ventier prendrait sa retraite au 1er juillet 2024 et que la maison médicale serait totalement fermée. Toutefois, voilà, vu le décès, bien évidemment, les démarches qu'on avait déjà faites depuis de nombreuses années, mais j'ai alerté l'ARS, j'ai eu l'ARS aujourd'hui, qui l'objectif, ce serait de pouvoir quand même accueillir des remplaçants en ayant une dérogation pour accueillir ces remplaçants. Donc j'ai eu M. Lapertot de l'ARS cet après-midi, qui travaille aussi avec la CPAM, avec le Conseil de l'Ordre des médecins, pour qu'on puisse trouver une solution. Alors, les accueillir, on trouvera une place à la maison partagée, puisqu'on accueille aujourd'hui l'ostéopathe et puis le psychologue. Ce n'est pas un souci. Hein. On a vite fait d'aménager une pièce avec tout ce qu'il faut. Ça va se faire. Mais il faut aussi avoir rentré dans le cadre de la législation sur les remplacements, puisque voilà, il n'y a pas de médecin qui peut tutorer, si je peux pas tutorer, mais accepter des remplacements. Donc là, voilà, je pense que tout le monde est conscient de la problématique. Quand on parle du docteur Ventier, on parle de 4000 patients. Donc, c'est pas rien. Et on parle aussi de 97 patients, plutôt des résidents à l'EHPAD, qui vont se retrouver sans médecin. Donc, voilà, on est au fond du trou. On savait que, voilà, il n'y a pas eu, enfin, même si la volonté de la municipalité depuis 10 ans, c'était de travailler ensemble pour voir si on ne pouvait pas voilà, faire des choses ensemble. Mais bon, voilà, les choses sont comme elles sont. On ne va pas refaire l'histoire. Mais toutefois, aujourd'hui, on doit agir. Alors, moi, j'ai adressé un courrier aussi au président du conseil départemental, puisque nous avons l'antenne départementale à Bourbon-Lancy. Bon, on est très heureux que le docteur Dupoux soit là et qu'il est accompagné avec une infirmière installée, une infirmière de pratique avancée, une secrétaire aussi. Voilà. Donc, et on sait aussi que le docteur Dupoux restera encore, j'espère, quelques années. Du moins, je le souhaite. Mais quelque part, on se retrouve avec plus qu'un médecin. Donc, on fait des démarches sur le fait... moi, j'avais annoncé pour les vœux que la maison partagée deviendrait une maison... Alors, maison de santé, on peut l'appeler pluridisciplinaire ou pas, mais une maison qui accueille différents cabinets pour permettre d'accueillir des professionnels de santé. Voilà, on a vu l'architecte qui va nous permettre de faire des plans, puisque je l'avais fait visiter cette maison. Il y a des très grandes salles et on peut faire au moins 4 cabinets par étage, donc c'est plutôt bien. Là, il n'y a pas de souci et ça peut se faire quand même assez rapidement. Mais nous, notre prévision, c'était de dire on fera cette maison de santé au 1er janvier 2025. Bon, là, n'importe comment, sachez que si on mettra à disposition un espace à la maison partagée pour accueillir des professionnels de santé. Voilà, moi j'ai fait des rencontres aussi avec le centre de réadaptation, je fais des rencontres avec quelques professionnels de santé, mais voilà, aujourd'hui il y a quand même ce manque cruel, et puis vous avez quand même toutes les professions qui vont subir aussi des problématiques, parce que les médecins sont des prescripteurs. Alors même s'il y a des ordonnances qui sont à renouveler pendant un an, il y a aussi les Bourboniens et toutes les personnes aux alentours qui vont avoir besoin de médecins, et il n'y a pas de médecins.
Donc, alors, je sais que la pharmacie, les deux pharmacies se sont dotées d'une cabine de téléconsultation. Donc, bon, c'est quand même une réponse aussi, puisqu'on peut avoir au bout une prescription, un médecin qui va être à l'écoute. Mais malgré tout, ce n'est pas satisfaisant. Donc, sachez que voilà, on ne reste pas sans rien faire. Mais la clé, on sait que, on en a parlé hier en conseil communautaire. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes à Digoin, il y a des problèmes à Guignon, il y a des problèmes à Marcigny. Alors, j'ai rappelé au président de la communauté de communes de pouvoir avoir, comme on l'avait fait avec le pays, d'avoir un cabinet qui cherche, puisqu'on avait quand même Laborare qui était quand même super intéressant, qui a fait venir des médecins plusieurs fois, bon, mais ça n'a pas marché. Donc, est-ce qu'il faut en relancer ça? Alors, souvent, c'est des médecins espagnols, mais après, il faut que le Conseil de l'Ordre leur permette d'exercer. Donc, il y a eu à Marcigny, ils ont eu le médecin, mais pendant un an, il a attendu ses documents pour pouvoir exercer. Donc, c'est là aussi où c'est très compliqué en France de bouger les choses. Donc, voilà. Après, moi, je vous invite toutes et tous, parce que vous avez tous vos réseaux, vous avez tous vos connaissances. Et l'objectif, c'est aussi créer un réseau aussi, parce que c'est entre professionnels. Hein. On a bien vu que l'USI... Chevagne, ils ont accueilli 4 médecins, mais c'est parce que c'était des connaissances. C'était aussi, alors à l'USI, un médecin qui faisait venir des internes régulièrement, et après, c'est comme ça que ça marchait. J'ai contacté effectivement les deux médecins remplaçants. Donc, il y a un médecin qui a 75 ans, donc il est dans la limite de l'âge. Et puis, j'ai eu... c'est une femme médecin qui a signé un contrat, mais bon, je pense que comme elle a su que le docteur Venti était décédé, elle a un contrat pour mai. Je lui ai dit que vraiment, il fallait qu'elle garde ce contrat parce qu'on allait faire l'impossible avec les services concernés, hein, de pouvoir l'accueillir. Mais après, il faut... Il y a aussi le travail qui peut être fait entre l'hôpital, les médecins qui sont à l'établissement thermal sont des médecins quand même retraités, bien souvent. Donc, c'est difficile. Mais il faut ensemble, je pense... Alors, on va refaire une réunion. Mais vous vous souvenez, les réunions, on en a fait quand même des quantités avec tout le monde autour de la table. Mais aujourd'hui... il faudrait qu'il y ait quand même une solidarité entre tous les professionnels de santé et puis une volonté d'activer ces réseaux de toutes parts. Tu peux prendre... Oui. Ça doit marcher, normalement. C'est rouge, donc non. Oui, c'est bon. Si, ça marche. Oui. Oui, je disais, la maison médicale de l'USI, vous l'avez contactée, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de contacts, ils ont eu beaucoup d'internes, donc ça bouge beaucoup là-bas, donc peut-être qu'ils ont des... Oui, alors après, alors moi, j'ai encore pas eu le temps de contacter l'USI. Bon, j'ai vu d'autres... Chevagne, il y a souvent des internes aussi. Donc, voilà, j'ai contacté un médecin dans l'Allier qui a un interne. Voilà, et après, oui. Mais je pense qu'effectivement, il faut... la possibilité d'accueillir sans... Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les maisons, par exemple, pluridisciplinaires, c'est quand même aussi des contraintes fortes par rapport à une gestion administrative quand même qui n'est pas simple. Et on entend bien que les médecins aujourd'hui... Vous avez des médecins qui voudront une secrétaire, d'autres qui n'en voudront pas, d'autres qui veulent travailler d'une certaine façon. Alors, donc, souvent, maintenant, ce qu'ils aiment, c'est de ne pas travailler seul et être à plusieurs, c'est ça. Et partager... C'est ça. S'il y a des astreintes, s'il y a des choses comme ça. Enfin, et puis pouvoir discuter des cas les uns avec les autres. C'est ça. Donc, Il faudrait au moins deux. Ouais. Voilà, c'est ça.
Parce qu'on pourra tout faire, on pourra mettre le secrétariat. Enfin, il faut aussi qu'on apporte du secrétariat, parce que c'est, je pense que le côté administratif rebute tout le monde. Hein. Donc ça, il faut qu'on soit en capacité de le faire, mais on peut le faire. Hein. Ce sera un choix politique qu'on portera tous hein, ensemble. Mais voilà, donc on vous tiendra vraiment au courant. Voilà, moi j'ai alors, les contacts. On les a. Effectivement, j'ai pas appelé à la maison médicale de Luzy, mais je vais le faire. Et puis, il y a quand même une interpellation forte au niveau du Conseil de l'Ordre et de l'ARS, hein, puisque il y a quand même. Enfin, moi, je suis inquiète pour les patients qui sont malades. Hein. Alors, il y a le petit rhume, mais il y a aussi tout le reste. Et aujourd'hui, vous n'allez pas aux urgences comme vous voulez. C'est quand même très très compliqué. Donc voilà. Donc, je voulais quand même vous dire que voilà, la démarche, elle est en route. Et puis il y a aussi avec la maison de santé, l'antenne départementale, j'ai eu aussi la responsable qui va regarder de leur côté ce qu'ils peuvent faire. Mais déjà l'antenne départementale, je vous rappelle qu'on participe hein, financièrement au loyer quand même. On s'est occupé de tous les travaux, mais ils nous avaient promis au départ 2 médecins. Mais ils ont aussi cette problématique dans le département, hein, même si le concept est très intéressant. Mais c'est un poste à 35 heures. Et voilà, donc c'est vite passé, hein, 35 heures. Voilà, simplement vous dire, effectivement, ce week-end, il y a le rassemblement technique départemental des GSP et l'anniversaire des 40 ans des jeunes sapeurs-pompiers de Bourbon-Lancy. Donc je pense qu'il y aura, alors j'espère qu'il va faire... Qui fera beau et que parce qu'ils vont s'installer tout autour de la salle polyvalente et que vous savez que quand ça pleut c'est quand même très très humide. Ouais. Oui, ouais, mais il faudrait qu'il fasse beau un petit peu avant que tout s'embourbe. Hein, parce que je vais... Voilà, donc tant mieux. Ensuite, vous vous rappelez, ben, le président, je voulais vous parler du président de l'Office de tourisme. On en a parlé. De vous dire aussi que nous avons un nouveau directeur du casino qui s'appelle M. Laurent Bourgoin, qui nous revient de Biscarrosse. Voilà. Donc j'en profite aussi de remercier Emmanuel Fiquet qui a mené à bien la réhabilitation du casino parce que lorsque monsieur Laurent Bourgoin est arrivé à Bourbon-Lancy, il a été extrêmement et agréablement surpris de trouver un casino aussi moderne, aussi bien. Donc c'est plutôt bien. Et puis... tout de suite, eh ben, cette personne est arrivée avec sa famille. Alors là aussi, hein, on a quand même des soucis aujourd'hui de locatifs de qualité, hein, parce que bon, il a trouvé à se loger, mais avec difficulté. Donc là, c'est là aussi quand on veut accueillir des nouveaux arrivants, la problématique du locatif de qualité. Et il a 2 enfants, donc les enfants sont dans les écoles à Bourbon-Lancy, au collège et en école primaire, je crois. Voilà. Vous dire, si vous voulez bien noter, que le 16 avril, alors à partir de 17h, on ferait une commission élargie pour vous faire la présentation du manager et ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Une présentation aussi du fleuri, puisqu'on vous a parlé, mais même si ça a été parlé en commission, là, on avance sur le sujet, sur l'espace naturel du fleuri. Et puis, on vous montrera la requalification du quartier thermal, puisqu'on a eu une première esquisse. Alors, on a avec le comité de pilotage qui est composé de l'hôpital, des thermes, des acteurs aussi financeurs, parce qu'il y a la région et tout ça. Donc on va vous le présenter. Alors c'est qu'une esquisse, hein, mais c'est intéressant d'échanger dessus. Ensuite, le 30 mai,
on aura une réunion publique dans le cadre du Fleury, puisque sur cet espace naturel sensible, il faut faire une réunion publique, donc on va la faire. Le 9 avril, il y a les nouveaux arrivants, donc on a une petite cérémonie pour les nouveaux arrivants, et on aura le 25 avril, la signature de cette fameuse convention sur les centralités rurales en région, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très belle enveloppe pour la requalification du quartier thermal. Donc le matin, ce sera à Digoin, puisqu'il y aura une signature avec la région à Digoin, et l'après-midi, ils viennent pour la signature. Donc tous les élus seront invités, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, quand même une bonne nouvelle. Enfin, on a quand même des bonnes nouvelles. Hein. Simplement pour vous rappeler de la fermeture de classe de l'école Jacques Prévert. Donc, on avait fait effectivement beaucoup de rencontres. On a fait rencontre avec l'inspectrice. Et aujourd'hui, on a reçu une belle lettre qui nous dit que la classe ne ferme pas. Voilà, même si la motion que nous avons faite n'a pas tellement plu au rectorat, mais malgré tout, on conserve notre classe, et c'est très bien, puisque on conserve l'enseignante aussi. Et voilà, donc. Ah ben là, c'est bon, hein, parce qu'on a envoyé. Alors attendez, parce que la réunion que nous avons faite en visio avec l'inspectrice et la directrice académique, nous disait qu'ils n'avaient pas reçu nos éléments. Donc tout passe de façon numérisée. Mais on leur avait tout envoyé, donc on a tout renvoyé, on a renvoyé par la poste, voyez, parce qu'à un moment donné, on se dit, voilà. Mais on a eu aussi la chance d'avoir une ou deux inscriptions en plus, qui était quand même plutôt bénéfique, mais c'est précaire. Mais voilà, donc on va continuer un petit peu notre combat, mais voilà, la prise en compte aussi de notre situation avec des familles en grande précarité, des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, enfin voilà. Et si vous voulez, on a notre gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale a demandé une évaluation des écoles. Donc les écoles maternelles et élémentaires. Donc on a, ça se fait en deux temps. On a eu déjà le résultat sur l'évaluation de l'école de Saint-Denis de Jacques Prévert. Donc c'était Annie Jury qui est allée. Moi j'ai été interrogée comme un interrogatoire par rapport à deux personnes pour voir qu'est-ce que faisait la ville de Bourbon-Lancy en matière d'accompagnement des écoles. Et je laisserai la parole à Annie, on est plutôt très très bien noté, parce que la ville de Bourbon-Lancy fait quand même énormément de choses. Elle a aussi la chance d'avoir des associations, des infrastructures. Donc tout ce qui est fait est quand même plutôt, on accompagne quand même beaucoup l'éducation nationale, on fait quand même beaucoup de choses, mais on le fait pour les enfants avant tout. Hein. Voilà. Annie. Pas grand chose à rajouter, sinon qu'ils ont constaté qu'on avait des écoles à l'intérieur desquels le climat était serein, il y avait une très bonne communication entre les enseignants, les parents, beaucoup de projets dans chaque école, peut-être des fois même trop, mais enfin bon, ça permettait de maintenir la cohésion au sein des écoles. Et puis ils ont beaucoup aussi insisté sur l'aide que pouvait apporter la municipalité, tant matérielle que financière, la présence d'animateurs dans les temps méridiens et les locaux qui leur ont paru vraiment très bien adaptés. Et par rapport à ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont visité, enfin ce qu'ils ont fait dans les autres écoles du département, ils semblaient particulièrement apprécier l'école maternelle Jacques Prévert et l'élémentaire de Saint-Denis sur Bourbon-Lancy. Donc ça a été plutôt très positif. Voilà. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a encore la maternelle Sainte et Pierre et Marie Curie. Donc, je serai. L'évaluation n'a pas encore eu lieu. Et moi, je vois. Je suis passée au crible par l'évaluateur lundi prochain. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'entretiens. Ils ont fait des entretiens avec les parents, avec les. Oui,
des associations avec les enfants. Ils ont fait faire des questionnaires où les parents ont beaucoup participé à tout ce qui était réponse et ce qu'ils pensaient de l'école, enfin de leur relation avec les enseignants. Et c'était plutôt positif, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous parler quand même de la maison cimetière suite à l'éboulement 3 rue de la Collégiale. Donc, effectivement, ça s'est passé le 12 mars. Le 13, j'ai pris un arrêté de péril imminent. On a eu, effectivement, parce qu'on a relogé le 12 au soir des personnes qui étaient en gîte chez Monsieur Cimetière. Voilà, c'est difficile de trouver à 22h30. Il y avait les hôtels, tout était pris. On a trouvé quand même un hébergeur qui est pour curiste, qui nous a accueillis et qui a pu accueillir les trois personnes. Ensuite, la famille Gérard Cimetière et son épouse ont de la famille dans le quartier, donc ils ont décidé de dormir chez Guy Raymond. Et ensuite, Gérard Cimetière tout de suite nous a dit, nous on va aller dans la maison de son oncle, c'est-à-dire Monsieur Cimetière. Donc il n'y avait pas de souci pour le relogement de la famille Cimetière. On a fait une demande au niveau d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Bon, on l'a fait par rapport aux pluies, par rapport à la sécheresse, parce que la maison de Gérard Cimetière avait, il y a eu 3-4 ans, avait eu des fissures et ils avaient fait constater. Et puis, effectivement, nous, on a eu deux murs dans le chemin des remparts qui sont tombés. Un qui appartenait à M. Labachotte et un autre qui nous appartient. Donc, il y a quand même des problèmes au niveau de toutes ces pluies incessantes et puis peut-être aussi de la sécheresse. Moi, bien sûr, j'ai prévenu M. le préfet et M. le sous-préfet. Il y a eu un expert qui est venu de l'assurance de la famille Cimetière et notre expert aussi, un huissier des deux côtés. Et puis, aujourd'hui, on est un petit peu dans l'attente, puisqu'il y a une étude aussi qui doit se faire sur la maison cimetière, sur les fondations. Et nous, on a aussi effectivement prévenu notre assurance. Et moi, ce que je voulais aussi, c'est qu'on puisse avoir une étude sur géologiquement, parce qu'on est sur du rocher malgré tout, et on est quand même sur la faille qui emmène au quartier thermal. Donc savoir aussi comment, parce que pour l'avenir, il faut savoir aussi s'il y a des choses qui bougent ou pas. Donc voilà, on est plutôt... Alors ça concerne la ville, puisqu'il y a une partie de notre mur qui est partie sur la rue de la Collégiale. Toutefois, dans ce mur, il y a des grosses racines d'acacia qui datent de je ne sais pas de combien d'années. Donc, effectivement, on peut aussi être mis en cause parce que ces racines ont pu avoir un pouvoir sur ce désordre-là. Mais c'est tombé aussi dans l'espace, dans la propriété de M. et Mme Gras. Donc là aussi, donc voilà, il y a chaque personne a pris l'assurance. Voilà, chacun. Après, il va y avoir une concertation par la suite. Effectivement, nous, on a aussi notre avocat au niveau de notre assurance, l'avocat de la famille Cimetière. Enfin voilà, on attend aujourd'hui. On en est là. C'était simplement pour vous dire que le dossier est en cours. Et on verra comment les choses vont se passer. Alors, ça peut être long. Hein. Et en plus, le mur qui est tombé, la partie du mur qui est tombée, c'est quand même... je pense qu'on sera obligé de faire tomber tout le mur parce que, au vu de... Voilà, il y a du rocher, mais le mur, à mon avis, a été posé sur du rocher, mais n'assure pas de stabilité. Donc là aussi... quel sera le coût, ça va être aussi quelque chose de très important. Mais il faut qu'on sécurise aussi. Mais toutefois, il faut savoir comment la maison cimetière est sécurisée, parce que imaginons
que la maison cimetière. Alors, les premières préconisations des experts, c'était de dire enlevez vos meubles sur la partie qui donnait sur le fossé pour pas qu'il y ait de perturbations. Mais voilà, je ne pense pas que la maison tombe dans le fossé. Mais si cette maison tombait, ce serait tout le quartier qui serait mis en difficulté. Après, il y a quand même une partie importante. Voilà, donc on en est aujourd'hui à ça. Sachez que voilà, on est très soucieux effectivement du quartier, de notre petit quartier médiéval, parce que la petite déambulation derrière la rue de la Collégiale, c'était très sympathique. Il y a aussi des travaux qui vont se faire, puisque M. Gras a racheté l'espèce de petit garage enfin, qui va être transformé en tourelle, donc ça va être rénové aussi dans les règles de l'art. C'est plutôt très, très bien rénové. Donc c'est l'entreprise Montero qui intervient pour la commune et qui rénove toute cette partie. Et puis vous avez cette verrue qui était juste à côté du jardin de la Collégiale avec les bâches, qui a été racheté par M. Gras, et la toiture doit se faire. Donc moi, je les ai autorisés de se mettre dans le jardin de la Collégiale, parce qu'autrement, les travaux ne peuvent pas se faire, et ils ne peuvent pas se mettre, effectivement, dans le chemin, au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ben voilà, on va suivre les choses au mieux. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Peut-être vous dire que... On a eu France 3 qui est venue 4 jours de suite avec des équipes différentes pour alors moi j'ai pas eu le temps de regarder, mais je vais regarder en replay, puisque vous avez eu une séquence sur France 3 sur FPT, sur les termes FPT, les Jardins de France, et ce soir ça devait être l'escape game. Voilà. Et aujourd'hui, on m'a interrogé sur la vie de la commune. Donc normalement, c'est demain. Mais voilà, ils ont entrepris de faire des reportages sur les communes. Je sais que la semaine prochaine, c'est dans la Nièvre. Voilà, ils font un des reportages, c'est plutôt bien. Et ça donne envie de venir à Bourbon-Lancy. Et en plus, quand ils sont venus, il faisait beau. Parce que si ça avait été le début de semaine, à mon avis, on n'aurait pas eu le même retour. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Alors, prochain conseil. Notez bien le prochain conseil, tout le monde, hein, parce que c'est... Je ne sais pas. 17 juin. Voilà. Ah non, non, vous avez 17 juin. Alors, attendez, c'est 17 juin. Oui, c'est... Voilà, le 17 juin. Oui. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Ben, ce n'est pas trop tard hein, quand même, parce qu'on a fait pire. Hein. Jean-Marc, merci, hein, parce que ça a été beaucoup plus court que les autres fois. Hein. Donc, et je remercie aussi les services, hein, les services qui ont beaucoup travaillé sur le budget. Voilà, les services qui travaillent dans l'ombre. Et merci aussi à Jean-Marc pour son investissement.